Bonsoir et bienvenue au Joli Garcho qui va organiser pour la première fois ce soir une minute de silence pour le Castres Olympique. C'est le Joli Garcho, pardon, avec Julien Zuliga. Julien et ses invités ce soir. Salut Julien. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bah écoutez, voilà, une nouvelle défaite du Castres Olympique sur le score de 37-24 sur les terres de la section paloise. Match compliqué et voilà, bon, on va pouvoir y venir. Pour l'instant, on va présenter un petit peu tout le monde qui est autour de la table, donc ancien chanteur d'un boys nordiste appelé les Tuning Boys. Il a un prénom représentatif de cette belle région des Hauts-de-France. Grand fan de Pierre Bachelet, Lynn Renault, Danny Boone, des cousinades aussi, de 205 GTI avec Baquet et Néon. Wesley Vandenbosch est avec nous. Bonsoir Wesley. Oh. Décorateur d'intérieur à 16 heures perdues, sa plus belle œuvre reste sûrement son garage. Grand passionné de communication, enfin plus particulièrement de monologue, sa meilleure amie est une sonnette avec laquelle il agit dans chaque émission, Thomas Séguier. On a décidé de lui attribuer la catégorie coup de gueule de l'émission, vous allez comprendre pourquoi dès qu'il débutera son analyse. Il est de mauvaise foi, parfois même râleur. C'est comme ça, de toute façon, une chose est sûre, il est avec nous, c'est Thomas Courtois. Bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui nos amis du club depuis Laurent XV, impressionnés par les avants que nous représentons par notre carrure. Enfin, je parlais de moi, voilà, car mes acolytes se sont plutôt taillés dans la biscotte et moi dans la brioche. Ils sont venus à Troyes pour nous parler de leur club, de quelques histoires de deuxième ligne ou d'autres anecdotes. Et il y en a quelques-unes, merci d'accueillir. Donc Jérôme Bols, c'est ça, Patrick D'Allongeville, que je dis pas de bêtises, et Kevin Chavanne. Du coup, on va commencer par le débrief avec le petit générique, s'il vous plaît. Allez, ça y est, c'est parti. Donc du coup, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. On va pas commencer par le coup de gueule, mais voilà, c'est très très compliqué de pouvoir gagner des matchs avec un état d'esprit comme celui-ci. On se retrouve encore une fois dans une situation où on défend pendant 20 minutes, on n'a pas le ballon en main. C'est très très compliqué, je pense qu'en défense on a de gros soucis. On se retrouve à défendre, mais on défend très très mal, on n'est pas ensemble. On prend des points rapidement et puis on court après le score. Voilà, on a un petit éclair à partir de la 65e minute, c'est un peu compliqué pour pouvoir gagner des matchs de rugby. Voilà, on sait que l'intensité, on est dans une période compliquée, mais chaque week-end, j'ai l'impression qu'on s'enfonce un petit peu plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Tu vas nous donner un petit peu ton analyse sur ce débrief. Bah pour moi, ce soir, ça a été catastrophique. Hein. C'est le résumé depuis le début de la saison qui c'est catastrophique. Il n'y a plus de fond de jeu, il n'y a plus de défense. C'est compliqué, quoi. En touche, on n'est pas bon. En mêlée, on n'est pas bon. Dans le jeu, on n'est pas bon. Dans l'intensité, il n'y a pas d'intensité, donc on ne reconnaît pas notre club. Hein. Là, depuis le début de la saison, on ne reconnaît pas notre club. Donc là, au bout d'un moment, il va falloir peut-être se réveiller, je ne sais pas, faire quelque chose dans le staff, faire bouger les joueurs. Au bout d'un moment, si on ne bouge pas, on va finir à jouer le match de barrage. Hein. On est dans une situation très très compliquée. On le voit bien. De toute façon, sportivement, on n'y arrive plus. On se rend compte quand même qu'on est quand même sur une phase de reconstruction, mais ça on va pas le répéter chaque week-end parce qu'à un moment il va falloir quand même se prendre en main et faire que puisse faire évoluer les choses. Je veux bien qu'on se trouve des excuses, mais là il y a plus d'excuses au bout d'un moment. Il y a plus aucune excuse à avoir. Hein. Là au bout d'un moment, je veux bien, mais il y a pas de jeu, il y a rien, il y a plus rien, il y a pas d'intensité. Il y a pas d'envie, il y a pas d'intensité. C'est-à-dire les que joueurs, même les joueurs ils marchent, ils se regardent, ils savent pas quoi faire. T'as l'impression qu'ils sont encadé à oreille, quoi. Les mecs, il n'y a plus rien, quoi. Même si aujourd'hui on avait une bonne attaque, il serait difficile de pouvoir gagner des matchs avec une telle défense.
Quand tu commences à jouer à 30 points, quand tu as pris 30 points, tu commences à jouer à partir de ouais, là. Oui, c'est ça, déjà, il y a un problème. Les matchs sont difficiles. Les matchs sont difficiles. Tu commences avec un handicap de 30-0, tu as 20 minutes pour le remonter. C'est pas évident. C'est pas évident de commencer à ce niveau-là. C'est compliqué. Et tu joues que les 20 dernières minutes. Et c'est ça. C'est ouais, ça. Ouais. Tu commences à jouer à la 60e. Le problème, c'est que ben voilà, quand tu as 30 points de retard. Non, mais il n'y a pas d'envie. Je veux bien défendre les joueurs, l'indéfendable, mais il n'y a pas d'envie. Autant jouer au Monopoly. Hein. Y a pas d'envie, au petit chevaux on était meilleur hein. Ouais. Faut arrêter. Ça dépend qui s'est monté quand même. Il y a un concept, ouais, il y a peut-être quelque chose. Toi tu dois être le fils caché d'Anouna, non? Il y a quelque chose à développer. Non, là où il faut revenir, c'est quand même que ce match-là, Pau n'était pas dans une très très bonne situation. On les retrouvait quand même sur deux derniers matchs avec deux défaites chez eux. Ils devaient gagner chez eux, c'était pas quand même transcendant. De toute façon, c'était à prévoir. Hein. Ils devaient gagner chez eux. Toulouse, ils devaient gagner chez eux. Ils nous ont battu pareil. Non, mais là, ce soir, on avait deux clubs qui avaient la pression. D'un côté, le Castres Olympique, qui devait effacer la défaite face au Stade Toulousain. Et d'un autre côté, Pau, qui devait impérativement gagner pour se relancer. Moi, ce qui me rend le plus triste dans l'histoire, c'est que il n'y a même pas d'initiative personnelle pour essayer de relever le... Il n'y a aucune révolte. De se rendre compte qu'on est dans une période compliquée. On peut le répéter, il n'y a pas de souci. Mais sur le terrain, s'il n'y a pas un élément déclencheur à un moment, des meneurs de combat, on a l'impression qu'on peut prendre les 15 joueurs. Ouais. Alors autant, on voit des éclairs, on a quand même des joueurs sur qui on ne va pas revenir chaque week-end, mais on a des valeurs sûres. On n'a pas un problème de capitaine qui est peut-être trop gentil. Ça, non, je pense pas que on en a déjà parlé sur le capitana. Aujourd'hui quand même on a un bel exemple de pouvoir avoir sur trois capitaines deux joueurs qui ont été formés au club. Oui. Bon, ça c'est bien. Donc dans la transition de ce qui se fait entre l'école de rugby et l'équipe pro, moi je trouve que c'est un symbole fort. Oui. Après Est-ce que les joueurs acceptent, je parle pour ceux qui ont une carrière déjà professionnelle de plus de 10 ans pour certains dans ce club, est-ce qu'il est facile de se faire diriger par des mecs qui ont 25 ans, 26 ans? C'est peut-être ça, il y a un problème aussi peut-être là-dessus. Hein. Alors, est-ce que la transition a tu été bien faite? Tu penses que le problème est là? Non, le problème il y a peut-être un problème dessus, mais je pense pas que ce soit le problème essentiel. Moi je pense que de toute façon, c'est plus compliqué que ça, je pense. Hein. On avait dit qu'on pouvait plus parler de ça. Le problème est plus profond. Je pense qu'il est plus profond. Hein. Je pense qu'il est même très très profond. Hein. Après, de toute façon, on va pas parler de CU tous les week-ends, pour ne pas le citer, parce qu'encore on fait de la pub pour Bordeaux plus que pour le Castres Olympique. Et à un moment, ça suffit. Le Bordeaux, nous, on l'aime avec un mougigot, c'est tout. C'est même pas une question. Donc, il faut leur dire. C'est pas une question de Christophe Furio, c'est une question de notre staff actuellement, depuis le début de la saison. C'est pas possible. Le premier match, on doit pas le gagner déjà. En Racing, on prend une branlée. Face à Montpellier, le premier match, je sais pas comment on fait pour le gagner. On remercie Crudon, mais peut-être que ça nous aurait peut-être réveillé si on aurait perdu le premier match. Ça aurait été peut-être différent. L'histoire, elle est peut-être différente sur ce match-là. T'es sûr que ça nous aurait réveillé? Ah non, moi, ça peut te mettre la tête au fond. T'arrêtes pas de jouer au rugby parce qu'il y a un entraîneur différent. Non, les acteurs qui sont sur le terrain sont là. C'est le même mec que l'année dernière. Voilà, après, c'est pas possible. Il a pas chamboulé le plan de jeu. Non, mais il n'y a pas. Au bout d'un moment, on t'apprend à défendre. Tu les fais en ligne, t'arrives à le faire. Ouais, bien sûr. C'est pas parce que ben voilà, tu changes d'entraîneur que ben, t'arrives plus à rien faire. Non, mais parce qu'on va trouver l'excuse du nouveau système de jeu. Sur le système de jeu, c'est un jeu beaucoup plus rapide. Plus rapide, c'est différent. On se rappelle d'une technique, on allait au sol, on construisait autour et on était pas mal une équipe de contre. Ouais. Ouais, ouais. On servait des temps faibles de l'équipe adverse pour pouvoir nous nourrir de nos attaques. Ouais. Aujourd'hui, on essaye de faire du jeu. Mais faire du jeu à plat et quand t'avances pas, quoi qu'il arrive au rugby, il faut avancer. Ouais. Mais quand t'entends un joueur dire il y a du mieux, le mieux. Alors peut-être non, que Rado dans il est gentil. Attention. Rado, comme n'importe quel joueur, récite ce que leur apprend les communiqueurs du Castres Olympique, c'est-à-dire d'être toujours positif quoi qu'il arrive. Bah heureusement que je récite pas moi les chansons paillardes que j'apprends à la fête depuis Laurent. On est bien d'accord. Donc tu dis ça le moment que t'es pas allé au fête depuis Laurent, c'est pour ça. C'est vrai, vous chantez mieux maintenant. Vous chantez mieux. Non, mais un peu gris, je le vois. De toute façon, les réactions d'après match sont faussées quoi qu'il arrive. On le sait tous. Non, mais il y a pas de mieux. De toute façon, les joueurs, ils peuvent pas tirer sur l'équipe, c'est pas possible. Ils font partie de l'équipe, tu peux pas tirer sur l'équipe. Exactement. Ils doivent, eux, avoir une présence face au micro, et si eux commencent à être défaitistes et rentrer dans des choses négatives,
l'image qui en ressortira, elle ne sera pas positive pour ce qui se passe dans le club. Non, donc aujourd'hui, on leur explique aussi... Alors, où est le problème? Quel est le problème? Alors, le vrai problème, de toute façon, il y a une rigueur qui avait été mise en place pendant 4 ans. Aujourd'hui, Mauricio est arrivé avec une autre technique de travail, une autre approche de travail. Et peut-être que cette approche ne correspond pas aux joueurs que nous avons actuellement au Castres Olympique. Ça, c'est peut-être sûr. Au bout d'un moment... On a eu ce problème-là où Reggiardo avait changé justement et avait fait entraîneur par intérim. Pendant cette période. C'était 2015. Pendant cette période-là, les victoires, on les cherche. On les cherche. C'est surtout que tu cherches après, ton match référence. Oui, tout à fait. Là, depuis le début de l'année, tu n'en as aucun. Il n'y a pas de match référence. Tu n'en as aucun. Tu ne peux pas dire aux gens. Moi, je suis désolé, quand tu es à la maison, tu perds contre Agen. Oui, ce n'est pas possible. Quand tu gagnes d'un point contre Agen, tout le monde s'est réjoui. Et tu dis, putain, on a gagné. Tout le monde s'est réjoui de la victoire contre le Stade Français, mais les mecs, il fallait arrêter. C'est le Stade Français. Tout le monde va battre le Stade Français cette année, les mecs, il faut arrêter. Oui, tout le monde a failli se réveiller. Pas tout le monde, j'espère pour eux qu'ils vont se réveiller aussi, pour le club qu'ils représentent. Non mais regarde, rate le jeu de Bayonne, le jeu produit par Bayonne, le jeu produit par Agen. C'est la première équipe de Top 14 quand même qui arrive à faire ce que Bayonne fait à l'heure actuelle. Le jeu produit par Brive, le jeu qui a été produit par Pau, très très bon jeu ce soir. Tu parlais de Rios aussi. Il s'est adapté aux joueurs qu'il avait à Castres. Et il s'est adapté aux joueurs qu'il a à Bordeaux. Voilà. Et Reggiardo, c'est sa force. Mais c'est sa force. De toute façon, la chance, il a un aura. Il a quand même une persuasion. Il a réussi à sortir des mecs qu'on ne voyait plus, à les remettre à un niveau qui correspondait à ce qu'on attendait d'un joueur professionnel. Il a rendu confiance. Il a redonné confiance. Alors, ça réagit beaucoup en direct ce soir. On s'y attendait un peu. On a notre ami Calais. Alexandre Calamotte, pardon, qui nous dit beaucoup de joueurs arrivent en fin de contrat, ce qui peut-être est peut-être un relâchement de certains. Ah bah non. Alors, s'ils arrivent en fin de contrat, ils doivent se montrer, à moins que ce soit les plus âgés. Ah oui. Mais quand tu arrives en fin de contrat, tu dois te montrer. C'est une excuse bancale. Pour moi, c'est une excuse bancale. Ouais. Ah, pour moi, alors c'est une excuse bancale. Parce que nous, on n'est que supporters. non, supporter, enfin je suis pas acteur non plus, enfin moi c'est vraiment de l'extérieur. Si, après. J'ai vu des vidéos S Club. C'est lui, le représentant officiel est là. Hein. C'est vrai, c'est le capitaine. Attention. Je rappelle que le S Club n'est pas encore un sponsor de Radio Olympique TV. Non, mais on en parle chaque week-end, bientôt les émissions là-bas. Il va falloir y aller. J'ai Emmanuel Cousinard qu'on connaît bien à Radio Olympique TV. Salut Manu. Il nous dit. Je pense que pendant cette trêve, l'entraîneur ne va pas changer, mais il va y avoir quelqu'un qui va arriver au-dessus. Ah bah c'est bien, on va aller chercher Diaz, ça va être sympa. Enfin ? Ouh, José. Ça c'est dit. Enfin moi, José, c'est du parti pris. Je l'ai eu comme entraîneur pendant des années. Moi j'ai travaillé pour lui. Pendant 3 ans. José, j'ai travaillé pour lui, je l'adore. Non mais voilà, enfin, moi j'ai travaillé pour lui, j'ai joué pour lui. Avec les espoirs, il n'a pas fait grand chose. Enfin, nous, on a été champion de France quand même. Après, voilà. Je te dis ça, on a été champion de France en réchelle. Il a quand même fait un boulot. Ah ben, c'est pas mal quand même. Il a quand même fait un boulot. Surtout sur les catégories jeunes. Il est monté en espoir et il a réussi à faire quelque chose. Je pense que vous dites ça parce que vous avez vu José Diaz l'autre jour qui était invité et qui était à Toulouse. Est-ce que c'est à cause de ça que vous dites ça? Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que tu commences à un peu chambrer, entre guillemets, José Diaz. Non, je suis pas d'accord avec toi. Lui, fait un très bon boulot. À chaque fois qu'on le met, il arrive à faire. Il fait quoi actuellement? Il est au centre de formation? Au CO? Là, à l'heure actuelle, j'en sais rien. Moi, je te parle de mon vécu. Je sais très bien que ça a été mon entraîneur pendant des années. Moi, je te parle de l'esprit fédérateur. De cet esprit fédérateur-là, qui, à mon avis, est le problème essentiel cette année au Castres Olympique. Cet homme-là fédère au pas tous en même temps. Il y a un problème dans le combat. Oui, non, mais voilà, je suis d'accord. Mais José, c'était un combattant. Souviens-toi des matchs, c'était l'un des plus grands combattants du Castres Olympique. Moi, c'est le plus bel exemple que j'ai de lui. En niveau caractère, est-ce que c'est incompatible? Mais ça impose le respect. Déjà, à partir du moment où tu as un entraîneur qui a fait ce qu'il a fait. Juste un exemple pour José Diaz. On joue un quart de finale de Coupe d'Europe contre Clermont. Et à 39 ans, ou si je dis pas de bêtises, à quelques années près, pour son âge, on le rappelle et on lui dit « T'as 2 semaines pour te préparer et rejouer avec nous. » Le mec, il te dit « Bah écoute, 2 semaines, ça me suffit. Pas de problème. Bon, moi 2 semaines, t'as bien compris qu'il fallait que je joue. José Diaz est un monstre physique. Quand ils avaient fait ça, quand on était un gros professionnel, il faisait de la muscu avec nous. On est d'accord. Oui, tout le temps. Et puis il lève. Après l'époque, quand il y avait la salle de muscu dessous là. Oui, sous la tribune Gabarre. C'est là où on voyait quand on était jeune. Non mais, soyons sérieux.
José Diaz maintenant, il vit après le rugby. Est-ce que c'est la solution? Il a un pub qui marche bien, les affaires vont bien, tout va bien. Est-ce que j'ai dit que c'était la solution? Franchement, attendez, le faire revenir, ce serait vraiment la solution? Alors, solution, mais il faut en trouver des solutions. Bien sûr, on est bien d'accord. Je reviens, mais l'année dernière, pourtant, quand ils étaient en vacances, qu'il y avait des nouveaux joueurs, c'était José Diaz qui entraînait les joueurs. Oui, c'est vrai. On l'a vu. Donc, il y venait. Je pense que, humainement parlant, tu parles de quelqu'un qui vraiment. La cohésion, ça va faire du bien. Complètement. Humainement parlant, enfin voilà, moi je le vois, comme je vous répète depuis tout à l'heure, de mon expérience à moi. Il sait se faire respecter, mais voilà, dès qu'il voit qu'il y a un petit peu de. Un électron libre, entre guillemets, parce que j'ai été ça pendant toute ma session au Castres Olympique. Il arrive à te prendre sous ton bras et à te dire oui, non, maintenant aussi, d'accord. Il arrive à te prendre sous ça, ton c'est bras. Ça, c'est pour te ramener chez toi en fin de soirée. Non, parce que ça, j'en ai une. Il est venu me chercher en bas de la maison le jour de la finale en échelle, quand même. Alors, attendez, je prends mon portable. Alors, j'en ai pris plein de la tronche. Un retour de José Diaz, ça serait pas un désaveu de Ricciardo? Alors, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui. Il va falloir prendre des décisions. Exactement. Aujourd'hui, dans le staff, pas tous en même temps. Tu te vois prendre la décision en disant Mauricio Ricciardo, c'est plus l'homme de la situation. Moi, je pense que c'est trop tôt. C'est trop tard. C'est l'homme de la situation. C'est trop tôt, mais il y a urgence quand même. Non, il n'y a pas d'urgence. L'homme de quelle situation? Il y a juste un problème de communication qui a été fait par le club. Et pour moi, cette année, c'était une année de restructuration et de faire en sorte que les joueurs puissent travailler avec un nouveau système de jeu. Et que nous, on est aussi supporters et qu'on est aussi impatients, mais qu'on a la loi du terrain qui, elle, est dégueulasse. T'es pas bon au moment où on te prend, pourquoi, tu te retrouves 13e. Qui est légitime. On est d'accord. Ouais. Parce qu'il y a des financements, il y a des engagements par rapport à des partenaires, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Après, tu me dis, José. C'est pour ça aussi, je me pose la question de pourquoi il n'y a pas de réaction. Voilà. Il n'y a rien de con. Mais José ne serait pas forcément une solution mieux ou pire, mais ça fait partie d'un plan à pouvoir étudier pour se dire, est-ce que, quand même, ces deux hommes emblématiques, que ce soit Mauricio. Oui. Ou que ce soit José Diaz, je pense qu'on en avait un en pilar et l'autre en troisième ligne. C'est des mecs qui se connaissent. Ils se connaissent, mais il y en a un qui a des résultats et l'autre non. Ça, on l'avait eu dit, et là je vais rejoindre notre après, ami. Après, c'est pas Mauricio, va appeler la hyène de Radio Olympique. Thomas, sur ses premières émissions, lui défendait le fait qu'on ait vu un entraîneur qui n'ait jamais rien gagné. Ouais, ça c'est le problème. Ouais, c'est le grand problème. Ça, c'est un problème. Sur une équipe. Alors, j'ai Patrick Bourges qui réagit en direct. Il nous dit salut à tous. À mon avis, on a rendu service à Agen à l'intersaison. Et Patrick. Ça, c'est dit. Patrick, on peut pas dire Patrick président, il l'est déjà. Mais c'est. Après, je pense pas qu'on en soit là. C'est vrai qu'on le dit avec humour. Mais je pense que ce que Ricciardo a fait à Agen, c'est pas non plus négligeable. Après, le problème, c'est qu'il avait un club de. Qui joue au bout. Alors, pas de méchant. Chaque entraîneur a son niveau. Voilà, c'est on ça. Est d'accord. Donc, ça veut dire bon que Ricciardo a joué le maintien tout le temps. C'est un très bon entraîneur de Pro D2. Ouais. Donc, est-ce qu'en top 14, il a les solutions Est-ce qu'il a déjà eu l'expérience en top 14? Bah non. C'est à Castres. Il n'y a que Castres qui. Donc, on revient sur la communication, ils n'auraient jamais dû dire. Oh, mais la communication, c'est un autre problème. Mais c'est sûr, voilà, la communication, c'est un autre problème. Ça fait partie quand même à un moment. Il y a des choses qui ont été faites. Quand on est dites. Quand il était dit aussi, quand tu commences à annoncer à des supporters, tu as des supporters, on te dit le top 6, bon, tu me diras, il y a des supporters. Voilà, le problème, c'est que derrière, tu as une tribune qui s'organise, ça fait des émissions et tout ça. Voilà, c'est ça le problème. Non, mais que 15 jours après, quelque chose. Mais 15 jours après, on te dit, c'est la période de transition. T'as encore des cheveux et ça fait les mains. T'es aigri encore une fois. Voilà. Oui, mais j'ai pas maigri. C'est presque pareil. Non, mais le problème, ce qu'on a dit d'abord, le top 6, et 15 jours après, on disait, c'est une période de transition. En fait, le problème, ils auraient dû commencer par le top 6, par la période de transition et arriver en février, se dire tiens, on fait un vrai bilan. Mais pourquoi ils sont allés communiquer ce genre d'infos? C'est pas pour vendre de l'abonnement? Non, parce que. Alors. Marketing. Bien sûr que c'est du marketing. C'est du marketing. Ils ont besoin, le Castres Olympique. Oui, parce que le Castres Olympique est un des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. C'est financé. Je suis d'accord. Oh, on n'écoute pas Patrick. On n'attend pas Patrick. Allez. À Patrick. On défend un peu l'entraîneur parce que c'est facile de taper toujours sur les entraîneurs. Oui, et c'est moins cher. C'est pour ça qu'on a invité l'entraîneur. Attendez. Parce que bon, je pense que quand même, c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose entre les jambes. Il l'a prouvé en tant que joueur, il l'a prouvé partout où il est passé comme entraîneur.
Et puis il faut quand même se rappeler de la fin de saison de Castres. Pour moi, c'est une continuité de la fin de saison. Là, je suis tout à fait d'accord. Et pas avec le même staff. Donc peut-être qu'aussi, c'est aux joueurs à se remettre en question. De toute façon, c'est un groupe qui a vécu pendant longtemps ensemble, qui a eu des résultats, et peut-être que c'est un fin de cycle. Compliqué sur ce cycle-là, de finir comme on finit, et de... En fait, c'est difficile de repartir sur quelque chose de positif quand tu te grilles ta saison toi-même. L'année dernière, oui, on a des séquelles encore. Ah ben, toute la grille. Et là, on sent qu'on est marqué. Qu'on est marqué. Et on sent que les joueurs sur qui on pouvait s'appuyer. Et bah là, je vais prendre en exemple. Ils sont fatigués. Wilfried, qui a été la surprise et la révélation l'année dernière, parce qu'il est arrivé de Rouen, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Quand on le voit sur la fin de saison, dur, hein. Il est indétrônable. Aujourd'hui, quand on n'a pas Ouyongbien, on se dit. Compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est ça qui est... Mais c'est pas méchant. On n'essaye pas d'être méchant. On essaye juste de faire une analyse. Mais tu te reposes sur un joueur. C'est dramatique. C'est ça. Donc c'est pour ça, peut-être que la solution serait sur l'entraîneur fédérateur. C'est pour ça que je dis ça. Il n'y a plus de meneur. Peut-être que José Diaz serait ce fédérateur-là. Ah, je pense que oui. Ou pas spécialement de virer Giroud. On a la composition d'équipe. Associez-le à lui. On a la composition d'équipe. Associez-le à lui. On peut juste regarder la composition d'équipe de départ, s'il vous plaît. Complètement. C'est en ligne. Non. Ça se trouve, José, il travaille en sous-marin depuis le début de la saison. Hein, non, avec je pense pas. Je pense qu'ouvertement. Ça serait vraiment la grande info de l'année. Alors, on a la composition d'équipe en direct. Alors voilà. Donc, pour le Castres Olympique, on était sur une première ligne: Tichit, Jenneker, Houpatin. Jenneker qui rentre à la place de Marco. Ouais. Qui porte le qui d'ailleurs, et moi on peut le souligner parce que c'est un beau geste aussi, il fait partie du groupe intégrant malgré... c'est le péage depuis Laurent, hein. l'autoroute arrive. Non, on n'a pas vu l'image, il y a la composition. Ah, il y a la compo. Alors, le temps que tu finisses ton verre, j'ai... J'ai Thierry Gros, j'en ai même pas. J'ai Thierry Gros qui réagit, grand supporter d'une équipe de merde, qui nous dit c'est parti pour jouer le maintien 2 ans après le titre de 2018. Et comme en 2015, et là où il a raison parce que t'as pas lu la fin de son commentaire, mais comme en 2015, on s'était retrouvé 2 ans après 2013, on avait eu cette période justement, entre les chevauchements de fin de contrat, de nouveaux staff, c'était complexe. Comment se passe la cohésion entre staff et joueurs? Déjà, il faudrait savoir. Alors, mais ça, le problème, ah, c'est ça, que tu nous le dis à nous, que, voilà, le problème essentiel on peut pas est le savoir. Le problème essentiel est là. Le problème, il est là. Il n'y a pas de cohésion entre le staff et les joueurs. Il n'y a, bon, a pas d'élément fédérateur. C'est moi, ça. Je pense y a pas le problème, ce qu'on voit nous fait croire qu'il n'y a pas de cohésion, mais on n'en sait rien. Non, mais c'est sûr. Donc ça veut dire que là, on reprend. Donc sur la première ligne, on parlait. Donc Jenneker qui rentre à la place de Marco. En deuxième ligne, Kevin Gimeno, Mckinsey. Troisième ligne, de la porte, Genonche, Gérondo. Gelonge qui lui aussi joue par intermittence malheureusement le rôle de numéro 8 qui ne correspond pas, enfin moi c'est pas pour lui aujourd'hui, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il c'est pas son poste, c'est pas son, on est d'accord, c'est pas son poste, on le voit, c'est pas la seconde ligne aussi, en troisième ligne Gimeno. Et Gimeno, mais qui fait très très bon boulot en seconde, hein. D'ailleurs même on se pose la question aujourd'hui, à savoir, moi quand je vois Kevin Gimeno en deuxième ligne, je me dis même que de formation il est deuxième plutôt que troisième. Ah oui, il est meilleur en deuxième ligne. Ah oui, dans la défense. C'est à l'entraîneur de le déterminer, le problème c'est que je pense que c'est pas déterminé et que... On joue sur les classiques. C'est ça. Et le problème c'est que maintenant le classique à l'heure actuelle dans le rugby français, ça passe plus. C'est ça. La charnière, Rado Dumoura, donc Rado qui remplace Cocotte. Je ne dis plus rien parce que on perd de centre. Oui, c'est le public, hein, est allergique. Attention, il y a des têtes d'araignée dans le garage. Je veux pas d'histoire. On perd de centre. Donc Eberson Cambezou, Eberson qui rentre à la place de Yann David. Yann David, c'est Allez, Julien Caminati qui remplace Armand Bail, qui a été touché donc sévèrement. On pense à lui aussi et on lui souhaite un prompt rétablissement. De l'autre côté, c'était Lavo et derrière, Geoffrey Palisse. Donc quand on voit la composition de départ, sur le papier, elle est belle, hein. Elle est belle, mais c'est quand même une ossature et une équipe qui, depuis le début, reste quand même typiquement la même. Ouais. On a 3 ou 4 changements par match. À part au centre où ça bouge ou à l'aile. Après, le problème, c'est qu'en alternance en deuxième ligne, on sait où on en est. On va peut-être pas se voiler le face. Mmh. La blessure de Christophe Sanson, compliqué. Jacquet qui va revenir. Rodrigo. Rodrigo qui, voilà. Rodrigo qui est un meneur et qui manque quand même. Rodrigo qui manque énormément. Énorme, là. Et d'ailleurs. Parce que ça, c'est un meneur. Hein. Rodrigo, c'est un meneur, le mec. Ah oui, oh, oui. Lui, il ira jusqu'au bout. Hein. Mais peut-être que t'en prends autant aujourd'hui parce qu'il n'est pas là.
Ah bah ça, ah oui, ça y fait, hein. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Ça y fait, c'est au bout d'un moment, les mecs que tu choisis, on a un grand... enfin, sont pas les bons. Ou après, il y a le problème. Peut-être qu'il n'y a pas de remplaçant, enfin, moi, je le sais au... par rapport... Enfin, je le sais, tout est relatif, hein. Mais je le vois par rapport à Puylaurent. Jérôme, qui est notre capitaine, à partir du moment où il sort, on ne sait plus quoi faire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est on ne sait plus quoi faire. En fait, c'est olympique, on est là. À partir du moment où il n'est pas là, où il sort... Il sait parler aux gens. Voilà. Ils sont payés 10 000 euros par mois, les types. Il faut leur expliquer. Hors taxe. Au bout d'un moment, c'est hors taxe. C'est joueur rugby, c'est pas joué. Après, s'il faut tout leur expliquer, à 10 000 balles par mois. Alors, ça réagit toujours autant. Moi, je veux bien qu'on m'explique. On a côté Santissès qui nous dit on a peut-être la plus mauvaise défense, mais regardez l'attaque, faut laisser un minimum de temps. Alors, le premier attaque, pas tous en même temps. C'est ça. Le temps, c'est les mecs. Alors, aujourd'hui, le temps, et là, j'en suis d'accord. Tu peux finir aujourd'hui à être la meilleure attaque. Avec ce que tu fais en défense, ça ne changerait rien c'est sur tes matchs. C'est la meilleure attaque sur des exploits individuels. On est d'accord. C'est que sur des individualités. Il n'y a pas de collectif. Il n'y a pas de collectif. Si aujourd'hui... Quand est-ce que tu marques un essai à plus de 3 temps de jeu? Tu retires Dumora. Tu retires Cambezou. Caminati, qui sur le premier essai, c'est lui qui quand même se joue de la défense et qui le fait très très bien. C'est compliqué. On est sur des exploits individuels. Et on sait quand même que le rugby c'est un sport collectif et que tu gagnes à 15, enfin même à 23, 24, c'est... Je suis désolé, on va pouvoir taper sur Ricardo, même sur mais là les premiers... On tape sur tout le monde, là c'est un tout, hein. Au bout d'un moment il y a un problème. Non mais c'est même pas de taper sur quelqu'un, c'est qu'il faut trouver une solution. Tu peux pas continuer à te creuser ton trou, et même quand t'es en bas du trou, tu continues à creuser. La solution c'est... Et t'arroses les fleurs. La solution c'est... Ah si, c'est pour se faire le 3 ronds quand même. Encore une partie commerciale, on a trouvé une future commerciale du Gaston Lapique. La solution, on a un président au Gaston Lapique, on l'entend jamais. Qu'est-ce qu'il en pense quand même aujourd'hui? Alors, je pense qu'il a rendu la semaine dernière quand il allait sucer les Toulousains. Quand même. Non, mais ça, c'est ça, ouais, là. D'ailleurs, la semaine dernière, il était avec Diaz en tribune. Hein. Mais ça veut dire que. C'est ce qu'on t'explique tout à l'heure, il t'a posé une question. Diaz est copain avec tout le monde au bout d'un moment. C'est pas parce qu'il est avec Diaz en tribune que forcément il y a quelque chose de mis en place avec Diaz. Il faut quand même, et c'est légitime. Il doit avoir une vision sur le jeu. Il faut que ce soit légitime. Le club ne peut pas oublier ses anciens. Et avec ce qu'ont fait ces joueurs-là, avec 10 fois moins de moyens à faire ce qu'ils sont faits, à sortir les doigts depuis 89, il ne faut pas chier dessus. Ces mecs-là qui sont à côté de Pierre Ivrovol, ça me plaît. Je pense que la relève est là. Je préfère même avoir des mecs comme ça que des mecs parachutés, des cadres de chez Pierre Fabre. Attention, je ne cite pas, mais je donne un exemple qui peut être aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Pierre Ivrovol a des responsabilités autres sur une multinationale. Et que non, mais je suis d'accord, mais après le Castres Olympique fait quand même partie intégrante du groupe Pierre Fabre. Voilà, ça, voilà. On en est. Mais je pense qu'il peut y avoir des présidents ou des gens qui soient au-dessus de Mauricio sans forcément interagir sur ce qu'il puisse faire. Hein, à la donc, créer un nouveau poste. Mais de créer un nouveau poste qui soit un directeur délégué. Pourquoi créer un nouveau poste et pas fusionner deux postes ensemble? Voilà, c'est ça. Alors, mais fusionner, il faut un manager général. À quel niveau, par exemple, tu prends aujourd'hui, même sur le niveau, tu vas te retrouver avec Mathias, donc, qui va gérer la partie administrative. Ouais. Tu vas te retrouver avec Mauricio, qui va gérer la partie sportive. Tu vas te retrouver avec un consultant qui puisse être de grande qualité, José Diaz. Peut-être que ces deux postes, je parle entre Mauricio et Mathias, ces deux postes totalement distincts et qu'il faut garder. Ah oui, Mais au-dessus. Est-ce que, voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas être amenées par un élan nouveau, une personne qui puisse amener son expérience, son vécu, et qui de plus légitime qu'un mec comme José Diaz, qui est là depuis des années, qui prouve. Bah, il a toujours été et qui travaille dans les jeux. Et dans l'ombre, parce que. Est-ce qu'il va vouloir avec le travail qu'il a fait sur tous les joueurs qu'il a fait, est-ce qu'il a déjà été une seule fois mis en évidence? Ah non, jamais. Bon, on l'entend pas. Donc, pourtant, il a des titres en tant qu'entraîneur, même avec les jeunes. Ah oui. Et puis, il gaze. Donc, il faut la grande chance qu'on a avec José Diaz, et aujourd'hui, je vais en vendre. On va essayer de parler franchement. José Diaz, il connaît la maison. Ah bah mais oui. Pas que la maison Castres Olympique. Oh, il a inventé la maison. La maison Pierre Fabre, il sait comment ça fonctionne. Il faut une image propre. C'est ça. Une image saine. Quelqu'un qui renvoie du positif. Et lui, ils vont faire des combattants. Et qui, à Castres aujourd'hui, parle en négatif de José Diaz. Lui, ils vont faire des combattants. Les mecs, ils vont sur le terrain, ils vont pas bouger. Là, tu t'avances, là. De quoi ?
Il va en faire des combattants, il dit José Diaz, mais de par la fédération, le problème c'est que je suis pas sûr qu'un mec comme José Diaz arrive dans une telle merde. Voilà, c'est un mec intelligent, je suis d'accord avec toi, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un meneur d'hommes. Et qui arrive, un meneur d'hommes complètement. Et c'est ce qu'il faut. Complètement. C'est ce qui manque. Complètement, et c'est quelqu'un, j'en reviens à ce que je t'ai dit, c'est quelqu'un de très humain. Qui arrive à te cerner et à savoir comment il faut te prendre. Ça a toujours été comme ça. Après, donc ça peut être ce lien aussi entre le... tout ce qui va être l'encadrement sportif, ça, et ça peut être l'homme de la situation entre tout le monde. Voilà, c'est ça, le lien. Donc, c'est le lien qui, je pense, qui manque à l'heure actuelle. C'est, voilà, c'est le médiateur entre. C'est le super nanny du rugby. Pascal, c'est le grand frère, on essaye. C'est le super nanny. Pascal, vous avez des moyens de changer. Pascal, tu joues au rugby, tu gagnes du pognon. Il y en a qui jouent au rugby, ils touchent pas du pognon non plus. Oui, nous on en donne même. Pascal, c'est vrai que Pascal le grand frère. Après, malheureusement, on est sur la vérité aussi du professionnalisme. Complètement. À l'époque, on pouvait jouer au rugby, travailler dans une mairie et ça suffisait à tout le monde. Ouais. On était payé en filière et ça allait bien. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante et on le voit que ce soit en France ou ailleurs. Aujourd'hui, l'argent, on sait qu'au fur et à mesure, de toute façon, ça fera peut-être perdre l'identité, non pas du rugby et l'état d'esprit que les mecs puissent avoir, parce que tant qu'on aura des clubs comme les vôtres, tant qu'on aura des clubs partout, comme on puisse les avoir dans le Tarn, le casque olympique aujourd'hui, c'est le fleuron, c'est l'image de marque. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui se fait autour, tout ce qui se travaille autour, tous les clubs qui sont autour. Et tant qu'on aura ces valeurs-là à pouvoir défendre, entre l'amateur et le professionnalisme, il y a un trop grand fossé. Après, on a aussi des gens qui sont sur des postes comme Bernard Laporte qui devait justement permettre entre ce monde professionnel et ce monde amateur d'avoir ce lien aussi. Aujourd'hui, on le paiera à un moment où, enfin, c'est sûr et certain. Moi, j'aurais pensé que justement... Alors, j'ai Olivier Guy qu'on connaît et qui est en train de nous regarder qui dit « Si on résume le rugby du CO à juste en faire des combattants, on va droit dans le mur. » On est d'accord. On est d'accord. Il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Au moins, tu te seras battu. Il faut qu'il y ait un esprit d'équipe quand même. Au moins, tu vas te battre. Voilà, c'est ça. Pour quelque chose, aujourd'hui, on prend une volée. Mais tu viens de le dire, hein. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est ça. Non, mais au-delà de même d'avoir le combattant, ce qui veut dire par là. En faire des combattants, je pense que ce n'est pas le mot exact. Mais non, ouais, c'est voilà. Ça. Mais il faut faire des meneurs d'hommes, savoir des mecs que sur un terrain. Va se battre pour voilà, c'est ça. Moi, je sais très bien que je rentre sur le terrain avec Jérôme, je sais très bien que. Il m'arrive quelque chose, j'en ai 15 derrière. Ouais, c'est ça. Sauf que, est-ce qu'à l'heure actuelle, ils en sont là au parc olympique? Il n'y a que des individus. Est-ce qu'ils se battent voilà. Non, est-ce que c'est les mercenaires c'est ou est-ce que des... C'est chacun pour soi. Voilà. Est-ce que c'est les mercenaires ou quelqu'un qui arrive chacun justement... Chacun pour soi, il n'y a pas de cohésion. Moi, pour moi, en fait, à l'époque, quand on parlait du casque olympique, c'était une entité représentée par 15 bonhommes. Oui. Aujourd'hui, c'est 15 bonhommes qui sont là pour défendre une entité. C'est plus pareil. Même pas la défendre. Encore, c'est 15 bonhommes qui sont là pour défendre leur entité. Eh bien, c'est ça. C'est l'impression. C'est ça le problème. Après, par exemple, des gens ne jouent pas ensemble. Des gens. Pas. Comme... Ils l'ont eu fait, tous ces titres-là. T'as pas beaucoup de grands noms, justement. Enfin, quand il y a eu les titres. Non, le seul grand nom qui ressortait, c'était Casse-Olympique. Pourquoi ils ont gagné? Parce qu'ils étaient... Ils ont réussi à avoir quelqu'un de fédérateur. Et il y avait une cohésion. Et il y avait une cohésion. Là, il n'y a pas de cohésion. Et il y avait une bande de copains. Il n'y a pas de cohésion. Ça, ouais, ça a toujours été sur un terrain. À partir du moment où on n'a pas parlé non plus du mot rigueur. Dans un groupe professionnel. Mais la rigueur, tu l'as forcément. Tu es dans un groupe pro, normalement, tu l'as. C'est quelque chose d'établi. Tu as dit normalement. Oui, non, mais c'est quelque chose d'établi. Non, mais je parle d'une rigueur structurelle pour les joueurs. Aujourd'hui, c'est une colonie de vacances. Je suis d'accord. On est dans une colonie de vacances quand tout va. Ça va. Tout va. Mais on n'y est pas. Après, on n'est pas dans leur groupe. On n'est pas dans leur groupe. Mais tu sens bien. Une colonie de vacances, ils font quand même pas mal de sport pour une colonie. Hein. C'est vrai. Tu vas pas souvent à ce colo, toi. Je fais que ce sport-là. C'est moi qui m'occupe de la boulette, d'ailleurs, si vous voulez venir me voir. C'est la dernière fois qu'on arrive ici. Bon, ça continue à réagir en direct. J'ai David Maikour qui nous dit il faut surtout un spécialiste de la défense. Faire jouer les jeunes qui ont de l'envie, du gaz, pas comme certains de nos joueurs cadres qui ne sont plus légitimes comme titulaires. Alors, est-ce qu'intégrer des jeunes dans un système qui va mal, c'est leur rendre service? Non. Et est-ce qu'un entraîneur défense, les mecs, ça fait 25 ans qu'ils font du rugby, t'as besoin de leur apprendre à défendre? C'est ça. Moi, je pense que c'est la faute de l'arbitre. Mais c'est toujours ça. C'est vraiment parce que je suis pas supporter du CO. Viens en 4ème série, tu verras. Tu vas te régaler. Non, mais les arbitres, ils ont même des chiens aveugles. Oh, il y a Freud. C'est bien, bravo. Je l'ai vu, hein. Bon, allez, on va pas refaire le monde, on enchaîne.
Non mais la défense, c'est Prosper qui la gère l'année dernière à Agen. Toi tu l'aimes pas Prosper, on voit. Prosper c'était l'espèce de ratiche contre lui. Ils avaient une très bonne défense à Agen l'année dernière. Rassure-moi, il y a une fille qui t'a mis. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Je pense qu'il a une fille Prosper et qu'il s'est fait triquer sur un speed dating. C'est non, sûr. Que avec une fille. Mon ami, il n'aime pas qu'il ait. Le souci, c'est qu'il a un fils. Non mais je ne critique pas Prosper. Non, on parlait légitime. La saison dernière, Agen avait une bonne défense quand même. Oui, oui. Une bonne défense quand tu joues de maintien, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Voilà, une bonne défense. Quand t'as des joueurs de Pro D2, quand t'arrives en top 14, t'as pas le même gabarit. On n'a que des individualités. Le problème, c'est quand tant qu'on aura que des individualités, ça va être compliqué. Chacun veut, voilà. Veut tirer la couette, ben on en est là. Le problème, c'est que le mec, il arrive, il joue pour lui. Ah ouais. Il joue pour son aura à lui. Le problème, c'est qu'on n'a pas une bande de copains. Voilà, c'est ça. Là, sur le terrain, aujourd'hui, t'as 15 bonhommes. T'as pas une équipe. L'année dernière, il a toujours dit, c'est une bande de potes. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est compliqué. Parce qu'on a défendu cette image-là aussi, où on avait un grand communicant, qui était Christophe Furios, et qui prenait tellement de place qu'il mettait à l'abri tous ceux qui étaient en dessous. C'est ça. Il n'était pas de place. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place à. Et puis il avait les résultats, il avait les résultats qui allaient, il avait tout ce qui allait derrière. Bon, sauf que sur les trois derniers mois. Ouais, les trois derniers mois, sur deux ans ou trois ans de taf. Sur quatre ans, ce qu'il a mis en place, c'est aussi difficile pour celui qui passe derrière. Comme on a eu pensé la même chose quand Mias et Dari Carrère sont arrivés après Laurent Lavitte et Laurent Travers. Ça aurait été la fin. À part Dari Carrère, Mias, il est arrivé pour être Salico, lui, non ? Mias, il est arrivé, il a vu le rond-point des filtres, il s'est dit, bon, c'est où la rocade ? Au revoir. Parce qu'il y a une rocade ici. Bon, allez, on passe aux joueurs du match. Alors, l'homme du match, eh ben, c'est le chauffeur de bus du cœur des supporters, voilà, qui a été exceptionnel. C'est le porteur de drapeau, puissance castre. On va pas s'en sortir. Alors, représente, c'est pas vrai. Non, tu nous ratais les courses de rallye pour amener les bouteilles. C'est vrai. Ton intervention a changé le porteur d'eau, quand même. Arrêtez de parler tout en même temps, c'est la cacophonie. Par exemple, oui, en plus, vous utilisez des mots qu'il est plus capable de dire. Cacoquille. Les cacoquilles. Attends, on va appeler Dora pour toi. Donc, j'ai le sac à dos. Je revenais, par exemple, l'état d'esprit de Marc-Antoine Rallier, qu'on connaît tous et qui, on sait ce qu'il a eu fait pour le casque olympique aussi en étant passé. Tu parles au passé, t'as une info, quelque chose à nous dire. Juste parce que j'y arrive, mais quand on voit un joueur porteur d'eau, c'est que c'est un mec, même s'il est ouais, dans non, le mais groupe, tu parles vois, aussi bien. De quelqu'un, voilà, c'est représentatif, des valeurs, c'est quelqu'un humainement aussi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est humble, il est humble, il est là pour le collectif, il n'est pas là pour sa tronche, il a toujours été là. Et oui, je suis d'accord avec lui, pour moi c'est l'homme du match. Non mais attendez, vous parlez de l'homme du match, oui. Le seul ouais. Gars qui n'a pas joué sur le terrain. Et alors, on est bien d'accord là. Attendez, je préfère prévenir parce que. Mais c'est un truc de l'enfant de la famille. Dans l'état d'esprit et dans ce qu'on développe depuis tout à l'heure, le casque olympique, c'est bien, ça se joue sur le terrain. Sauf quand tu as 15 mecs qui puissent essayer de jouer mais qui ne jouent pas ensemble, c'est compliqué. Moi, Marco, qui puisse être présélectionné dans le groupe de 27 et qui se retrouve à pas jouer mais à porter l'eau. Ça prouve quand même l'envie du mec de pouvoir rester investi auprès de son groupe. Non, mais là, c'est grave. Non, l'envie, non. Ça, non, mais ça c'est prouve grave, tout là. Simplement. Faut arrêter les conneries. Il y a cette mentalité de. On n'en voit pas Marc-Antoine Aralier apporter de l'eau à ses collègues. C'est la mentalité que manque aux 23 autres. Après, je vais te dire. Marc-Antoine Aralier sur la mentalité. Après, sur le jeu. Je vais en donner deux, mais c'est même plus une surprise. Et même, on peut en donner deux devant, deux derrière. Jimeno Girondeau. Mais rien à dire. Comme d'hab, quoi. Et du Moura. Mais Girondeau, c'est une valeur sûre. On est d'accord. Maintenant, Girondeau, c'est une valeur sûre. Confirme, ça l'était pas du tout. Non. Ça l'était pas du tout parce que. Il a été mis au frigo. Oui, il a été mis au frigo. Tu vas le chercher du Racing. Ouais, ouais. Tu le ramènes. Clermont. Tu vas le chercher de Clermont. Tu le ramènes. Ce qui est bien, c'est que le capitaine, on sait pourquoi il l'a appuyé, Laurent. Au moins, il connaît le rugby. C'est mon papa. Il est gentil. Ça fait deux ans que je joue avec lui. Je ne connais pas une touche. Non, mais ça fait. Ça fait une heure qu'il s'étouffe. Je lui dis, tiens, vas-y, tu sautes. Jimeno, c'est des valeurs sûres et du Moura Combezou, c'est des valeurs sûres. Moura Combezou, quand même. Par contre, du Moura, moi qui ai eu un énorme problème avec lui, c'est-à-dire je me suis toujours dit que c'était pas, voilà, c'était pas le meilleur joueur du monde. Mais avait l'envie. Mais voilà, il a des prouesses personnelles qui font que ça force un petit peu le respect. Il est quand même dans la plus belle compétition française.
même européenne. Je pense qu'on avec a à faire pâlir, voilà, avec l'Angleterre, on a à faire pâlir pas mal de... Tout le reste du monde. Hein, c'est ça, mais mine de rien. Et puis, il arrive à ces prouesses-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler sur les cadres? Sur les cadres du castre olympique, les leaders. Sur les cadres, est-ce que tu vas pas sur les castres, Non, bien. Après la blessure de Babylou, je pense que ça fait mal au groupe quand même, hein. Oui. Parce que Babylou c'est un leader. Hein. Alors tu vois, mais est-ce que tu vas rester et Rodrigo il est pas là, et Urdaï, il est pas là. Est-ce que c'est pas le moment de former plusieurs 4 ou 5 grands cadres et à se dire alors ça réagit beaucoup en direct, les gens disent que c'est Dumora et Combezou, les hommes c'est du match. C'est ça, ben, tu vois, on était en train d'en parler. Hein. Et Rallier, non, ils l'ont pas dit. Non. Alors, ils n'ont pas vu le même match. Davy Malcourt, là, qui marque un beau commentaire. C'est et surtout mal, hein. Dans le comportement, Combezou capitaine. Pour lequel on reviendra au fil rouge. On reviendra au fil rouge, mais dans l'état d'esprit, Combezou, c'est pas le mec qui a besoin de parler à côté de toi pour donner envie de jouer au rugby. Ah non, c'est un leader. Il est après. On est d'accord. Il te montre l'exemple. Sur le terrain, t'as envie de jouer. Tous en même temps. Il est là. Oh, c'est lui à chaque fois. Allez, on va voter pour l'exclusion aujourd'hui. Alors, on va voter les ch'tis contre les Marseillais. Toi, tes ch'tis, c'est... Allez. Qui vote pour l'exclusion? Allez, c'est bon, c'est voté à l'unanimité. Sérieusement. Je mets bien la sonnette, par contre. Non, même pas en rêve. Comment va lui descendre les cafés, sa femme, après? Café. Parce qu'elle est là, sa femme, en plus. Pardon, excusez-moi. C'est pour la troisième mi-temps. Non, arrêtez. Non, j'ai une de famille, arrêtez. Revenons sérieusement. Non, mais sérieusement. Combezou, c'est un leader. Quand on voit Combezou ce qu'il fait sur le terrain, c'est le mec. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Moi, on en a eu vu. Oui, non, mais c'est un meneur d'hommes. Je pense pas que ce soit le discours. C'est un meneur d'hommes parce que c'est un chien de la casse. Parce que c'est un chien de la casse. C'est un mec qui va au combat. C'est un mec qui met la tête où tu mets pas le pied. Ah oui, il a pas peur. C'est ça qui est dingue. Pourquoi il fédère? Parce qu'il te montre ce qu'il faut faire, rallier. Pourquoi justement il y a énormément de personnes, dont moi le premier, qui arrive à vanter ses louanges? Parce que, ben voilà. C'est un mec qui. Mais je suis con pour toi. Je suis convaincu par l'homme déjà. Il mouille le maillot, le mec. Il va au feu pour toi. C'est super. Il mouille le maillot pour son club. Je suis d'accord. Non, mais ça, c'est certain. Et d'ailleurs, même, au-delà de parler du joueur, on parle de l'homme. Oui, et ça commence par ça, humainement. Ça commence par là. C'est l'état d'esprit. Ça commence par l'homme. Il aime, il peut jamais un mot plus. Il a pas la grosse tête et tout. C'est un super mec. Moi aussi, je suis un partisan de Marco. D'ailleurs, un petit message au club, il serait peut-être temps de le re-signer quand même. Oui, ça serait bien. Ah oui, parce que. Je tiens à dire que Radio Olympique TV n'est pas responsable. Voilà, nous, on paye pas beaucoup, mais. Non, mais nous, on paye pas beaucoup. On peut toujours s'arranger pour l'hébergement. Je ne suis pas de plus. Si c'est galère à Pulot, on fait signer nous aussi. Si on re-signe pas un mec comme lui, moi je rends mon abonnement l'année prochaine. Je suis d'accord. Ah bah alors ça, c'est moi, clair, je le renvoie dans la poche. Mais moi je rentre par-dessus les grilles, mais je voulais pas dire. Je rentre par-dessus les grilles en fait. On revient. Après donc, alors pour l'homme du match, encore une fois sur le combat, je pense que Combezou. C'est une valeur sûre. Combezou, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Après, le gros problème, c'est que quand sur 15, tu commences à en sortir que 4. Mais moi, je préfère les vrais débats où on se dit mais putain mais lequel qui d'entre eux ouais, exactement je préférerais ces débats là en me disant lequel est... à des moments on se dit lequel a été moins bon que l'autre le moins mauvais tu nivelles vers le bas, en fait tu cherches pas celui qui va être le meilleur, mais nivelles vers le bas. C'est ça, le problème au jour d'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes. Non, mais... Oh, c'est pléonasme le jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que c'est moche ce jour, c'est ce ça, jour. C'est moche. À ce jour ou aujourd'hui on fait un dico, bêche. Est-ce que Baptiste est assez fédérateur? Moi, j'ai pas de doute sur ça. Non, de l'accord. Après, c'est un minot. Est-ce que les vieux. Ouais, les gamins. Est-ce que les vieux le suivent, quoi? Après, c'est ça le problème. Le problème, c'est que. Est-ce que. Une équipe comme le Castres Olympique, qui a été plusieurs fois champion de France, peut être menée par un jeune minot? Voilà, c'est ça. Parce qu'il est là, la question. Si les mecs derrière sont prêts, justement. C'est peut-être une question de fierté pour certains. Mais s'ils sont prêts, à accueillir le nouvel arrivé. Moi, la fierté, tu vas mettre de côté. Est-ce que le discours, c'est vraiment la fierté sur un terrain où on y est? Moi, ça fait 25 ans que j'y suis. Il y en a peut-être qu'en égo un peu. Non, mais l'égo, tu mets de côté. L'égo, à partir du moment où tu touches ce que tu touches, c'est là quand même que ça fait plaisir de mettre dans la poche. Ah, bah oui, c'est juste que l'entraîneur te dit. On est totalement d'accord. Mais s'il met un gamin de 22 ans. Pas tous en même temps. Mettre des jeunes capitaines et vice-capitaines,
des jeunes qui sont issus du club. Ça, c'est bien. Puis c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance pour Baptiste. Puis c'est aussi mettre en avant le travail du club. C'est ça. C'est ça. Tu perds des Cavaliers aux carrettes. Tu as. Ça se retouche. Ça se retrouve très bien. Les gars qui a été blessé. Heureusement qu'on ne l'a pas d'ailleurs. On devrait l'avoir dans la poule. Sans oublier d'avoir les trois, tu vois. En mêlée, il faut leur laisser un peu de temps aussi. C'est pareil. En mêlée, la blessure de Kodze nous fait mal. Parce qu'en mêlée, on a. Ouais, non, mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a quatre acteurs. On en parle de deux. On n'a pas recruté. Il se blesse. Ah, ça nous fait mal, d'accord. Attends, mais il y en a 15 autres derrière sur le terrain, quand même. On n'a pas de recruté. Non, alors ça, on n'a pas recruté. Ça, c'est vraiment pas sympa. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Tous les bons joueurs que t'as, tu les laisses partir à Toulouse. Et ouais, bah oui, mais c'est ça le problème. Et puis ouais, mais ça, c'est à cause de qui? À cause de Pilorent, ils ont fait la devoir. Et voilà. On aimerait bien récupérer d'ailleurs Dupont, d'ailleurs. Un petit appel à Dupont. Antoine, de son prénom. Là, il est au Japon, il se prépare, mais. Non, après, de toute façon. Non, il faut garder notre loustique. À un moment, de toute façon, on le sait, ça va plus. Ouais, en numéro 9, il y a Alexandre Albouy qui est disponible là, si on cherche un numéro 9. Non, mais attends, pas. Bah, alors, parce qu'on cherche des numéros 9. Et Fernandez, ah, vous êtes sérieux? On attend quoi pour voir Fernandez sur le terrain? Mais moi, je trouve ça aberrant. On cherche des numéros 9. À quelle heure? Est-ce que Rado n'est pas plus un numéro 10 qu'un numéro 9? Non, mais on parlait des joueurs de rugby. Ah ouais, t'en es là. T'en es là. Bim. T'en es là. Moi, Rado, numéro 10. Rado, je le préfère en numéro 10. Hein. Quand il jouait à Clermont en numéro 10, il était bon. Ouais, quand il jouait à Clermont, c'est ce que tu as. Oui, bah il a pris. Déjà, dans ta phrase, t'as la réponse. Quand il jouait à Clermont, je suis d'accord. Mais quand il jouait. On a un mec. Clermont ne jouait plus là. Mais pourquoi il est venu à Castres? Parce qu'il jouait pas. Ah, pourquoi il est venu à Castres? Parce qu'il jouait plus à Clermont. Moi, je pense que c'est un élément fédérateur. Non, non, mais c'est un élément fédérateur. Tous en même temps. En dehors. Ouais, mais c'est toi qui nous coupe. Donc, le seul champignon qui trouve. Fabrice Boué, on se calme. Ouais. Lui, c'est pas des Seb qui cherche. Le seul champignon qu'il a eu, c'était au Bois de Boulogne. Alors attends, faut pas. Clamidia. Même pour pas, il la sentait pas trop. Elle est cadeau. On a un mec comme Fernandez en espoir. Non, il fait des super matchs. Attends, on revient sur une question qui a été posée. On parlait de Rado. On parlait de Rado. Mais Rado, il est venu parce que, en dehors de ça, et pour moi, je l'ai vu faire. En dehors, il a quand même un côté fédérateur et ça, on peut pas se. Alors peut-être que ça. Je sais pas, moi, ce mec-là. Moi, je te le dis, c'est quelqu'un qui, en dehors du vestiaire, fait vivre. Il fait partie de l'association, donc. Ça a l'air d'être un bon fêtard. Voilà, c'est le mec qui fédère, c'est le mec qui. Et ça, ça peut dans un gros, dans un. Mais Urios, il l'a transcendé sur la première année quand il arrive à Clermont. On a retrouvé le vrai niveau de Rado de ce qu'on avait connu pendant 2 ans ou 3 ans à Clermont. Mais tu l'as eu combien de temps? Jusqu'à janvier. Mais ça nous a suffi, le 31, on a passé une bonne soirée, on avait été battre clairement chez eux. Attends, Ouais, bah, contre là, tu prends les matchs au fur et à mesure, enfin, tu les prends un par un, tu vois pas au long terme. C'est ça qui est dramatique. Non, alors, après, le Castres Olympic, ça a une importance, ça a quelque chose, ça a une valeur, surtout nous dans le Tarn, c'est quelque chose. C'est le club, c'est. Putain, il va falloir au bout d'un moment se poser les bonnes questions et savoir où on va. Il va peut-être falloir taper du poing sur la table de la part même sur Oval au bout d'un moment, parce que si on... Je pense pas que ce soit à lui de le faire. Il faut un directeur sportif. Et un mec comme Juninho, monsieur Revol, ça disponible. Suffit. Il tape du poing sur la table, un poing c'est tout. Et on va pas inviter 36 000 délégués et tout, qui va faire passer le message et tout, c'est bon. Monsieur Revol de taper du poing. Oui, je pense que Monsieur Revol, il est pris par tellement de choses que c'est. Ah, mais oui, mais à ce compte-là, on change de président. Ouais, voilà, c'est ça. Ou tu mets un chargé à la discussion. De clientèle. Ouais, chargé, tu connais. Service après-vente. Service après-vente, on est d'accord. Monsieur Revol, est-ce qu'il est plus impliqué dans le club ou chez Fabre? Dans ta question, t'as la réponse. Voilà. Bah oui, c'est ça. Soyons honnêtes, il représente quand même. Mais il représente un gros match. Ils sont 15 sur le terrain, il y a 7 remplaçants. Tu vas super loin, mais tu restes sur l'entraîneur joueur. Porte tes couilles, moi. Reste sur l'entraîneur. Alors tu te sors le doigt d'abord, président. Nous, notre président. Si tu as envie, tu te mords les couilles, tu vas défoncer le grand. Mais non, tu veux bien que le président n'a rien à voir. Il est là pour faire la politique. On va tous en même temps. Il fait de la politique, le président. Il fait de la politique et signe. Ah mais c'est son boulot, c'est son boulot. C'est tout, c'est ce qu'on lui demande. Alors qui il intervient. Qui lui a demandé crise. Mais il lui a demandé. Quand on va à Toulouse, il va déjeuner avec la Croix comme qui ça. Qui a demandé à ce qu'ils disent dès le début. Oui, la Croix et la bannière. Qui a demandé à ce qu'ils disent dès le début de la saison, on va être dans le top 6. Bah ça c'est pas possible. Qui lui a demandé?
Ben ça, c'est marketing. Toi, c'est toi. Ça, c'est une histoire d'argent. C'est moi, je le savais. Voilà, en fait, il m'a offert un abonnement par mail. Ah, il est venu. Mais t'as pas que ta saison, c'est pas pour te dire je vais jouer le maintien, bordel. Enfin, tu joues pour gagner un titre. Il fallait pas annoncer ça. Après, ça dépend comment t'as attaqué. C'est les matchs que tu fais, les résultats qui te conditionnent après là où tu peux. Si on peut arriver dans le match, il va jouer le maintien. Les résultats avec. Le problème, c'est que voilà, il faut un coupable. On est dans une société où il faut un coupable. Il faut toujours un coupable. Non, mais là, tout le monde est coupable. C'est ça. Il faut un coupable. Non, pourquoi tout le monde est coupable? Il y a une solution à avoir. Le problème vient de quelque part. Il n'y a pas de cohésion. Prenez Chavannes, vous allez avoir le CO. Bon, là, on va avoir une cohésion. Ah, culé, là, il va avancer, mon pote. Bon, on va se reculer, avance. On enchaîne, on passe au coup de gueule. Non, après, malgré tous les coups de gueule qu'il y a eu, on enchaîne. Est-ce que le discours de Ricciardo passe bien auprès des joueurs déjà? Est-ce qu'il y a un discours? Mais après, t'es simple joueur, t'as un coach, tu le suis, c'est tout. Mais c'est ça, je sais pas, tu fais ce que tu veux. C'est une éthique à avoir. Non, mais après, oui, mais t'as un coach, il te dit ce que tu veux. Moi, je pense qu'on a des joueurs, pas qui ont le globe, parce que ça serait très fort au niveau image, mais qui, comme on dit depuis le début, qui jouent pour eux. Ils sont là pour se montrer. Pour se montrer, sauf que quand tu te montres, il n'en ressort rien de bon. Quand tu joues pas pour l'équipe et que tu joues pour toi, c'est mort. C'est la base du rugby. C'est la base du rugby. Oui, d'accord. Allez, on enchaîne pour le coup de gueule. Oh bah merde. J'ai gagné 2 kg. 1000 kg. Allez, j'ai gagné une tonne de kilos. Chérie, non, mais c'est une catastrophe cette émission. C'est pas possible. Ok, Google, préviens ma femme qu'elle arrête de me surveiller. Vous avez déjà grossi depuis que vous êtes parti. Oh merde. J'ai mangé qu'une chocolatine pour ma main. On enchaîne parce qu'on est déjà à 56 minutes. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Alors maintenant, le coup de gueule. Profitons-en. Le coup de gueule. Le coup de gueule, je crois qu'en fait, on avait commencé par le coup de gueule, nous. C'était pas ça depuis le début, en fait. Non, le coup de gueule, c'est la défense. Il va falloir aller plus haut. Le coup de gueule, c'est vraiment la défense. C'est vraiment la défense. C'est une question d'envie. Non, on ne défend pas à 15. C'est une question d'envie. Non, on ne joue pas à 15. On joue pas à 15. On joue tout seul. On joue tout seul. C'est qu'à partir du moment où t'as le ballon, t'essaies d'explorer l'exploit tiens, personnel. Tiens, pour tatou, un peu de ton plexiglas. Ah, merci. Merci. On joue personnel. C'est ça. Tiens, pour tes cheveux. Si on joue personnel, des cheveux, des cheveux. Bien sûr qu'il y a un problème quelque part. Si on joue personnel, il y a un problème quelque part. Non, le problème, c'est que t'attaques à 15, mais tu défends à 15, ça commence par là. Que ce soit pas tous en même temps. Que ce soit à petit niveau ou à haut niveau, t'as toujours des clans. Mais au bout d'un moment, il faut apprendre à composer ensemble et à vivre ensemble et jouer pour le copain, pour le mec que t'as à côté. Tu joues pas pour toi. Enfin, moi, le problème identitaire du Castres Olympique est là. On est juste par rapport à un problème de savoir jouer pour le copain. On joue pas pour le copain. On joue pour soi. Regarde, à chaque fois... Chacun veut montrer qu'il... Voilà, Dumora. Pourquoi je vous dis Dumora? Après, parce que Dumora, il peut te sortir d'un match à la con. Il peut te sortir l'éclair de génie alors qu'il en a 3 par an. Mais il peut te la sortir. Après, à l'inverse, par exemple, on prend l'exemple de Dudu. Sur un match, il va t'en faire 2 cagades et il va te faire... C'est ça, et il va faire l'action de l'année. C'est dingue. Mais après, sur l'envie, le problème, c'est que... Aujourd'hui, on n'a pas 15 Cambezou, on n'a pas 15 Dumora. 15 Caminati. Ou 15 Caminati, voilà. Il faut t'es champion de France tous les ans. Alors, dis-moi, par exemple, tu es champion de France. Qu'est-ce qui te reste à gagner avec le Castres Olympique? Le plaisir de repartir avec les copains et de regagner un autre titre. Ton titre. Tu vois bien que c'est pas l'impression qu'on ait eue, même. Ah, mais ça, jamais été ça. C'est toujours un renouveau. C'est pas dans la continuité. Mais le problème, c'est que, en fait, à chaque fois de parler de renouveau ou de venir sur quelque chose, un nouveau cycle, un nouveau ci, un nouveau ça, en fait, t'as l'impression que dans tes projets, tu fais jamais de la continuité. Parce qu'il y a un projet. Quel est le projet? Voilà, non, mais c'est. Redondant ce que tu racontes. Le projet, c'est un projet réel. Le projet, c'est le top 6. Non, arrête. Ah, bah ça a été annoncé en début de saison, ça. Lui, on lui a mis top 6 dans le museau. Ça a été annoncé en début de saison. Oui, ça a été annoncé. Bon, mais maintenant, c'est annoncé. Il s'est fait un tatouage en bas des fesses de madame. Top 6, top 6. On tourne la page. Maintenant, mais quel est le projet? Déjà, il n'y a pas de projet de jeu. Mais tu prends Montpellier l'année dernière. Regarde, ils n'étaient pas bons du tout. Regarde où ils ont été l'année dernière. Ouais, ils n'étaient pas bons du tout. Non, bah. Il n'y pas bon comme ça, quand même. Après, Garbajon. Je préfère le Montpellier de l'année dernière que cette année, quand même. Oui, complètement. Garbajon, il fait un super boulot. Après, le problème, c'est qu'on est regardé partout. Ça fait partie des mecs. Ça s'est fait qu'on aurait pu aller chercher. Hein. Tu le laisses aller à droite, à gauche, machin. Celui-là, tu vas le chercher. Il fallait prendre les romans, alors, à la limite. Il y a quoi les romans? Ah bon? Parce qu'il a fait du bon travail.
Moi, je pense que le problème, quand un entraîneur se fait retourner, en fait, il est vraiment moi non plus, parce que sur ces deux exemples, je suis d'accord. En manager, au-dessus de Ricciardo. Mais est-ce que Ricciardo va vouloir rester en bas? Par exemple, il est vraiment en manager, c'est un peu comme Lombard aujourd'hui, ce qui va se passer au Stade français. Oui, c'est ça. Ah oui. Mais totalement. Il est directeur général. Oui, il est directeur général, ouais, bon, t'as compris. Complètement. Le DG, mais tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ce qui nous manque, nous. Ouais. C'est ce poste-là. Entre notre président et notre staff. Parce qu'aujourd'hui. Roland qui est censé faire ça, non? Non, alors lui il est sur l'administratif. C'est compliqué. Directeur parce... sportif, Roland. Ah, moi c'est administratif pour l'instant, je me suis arrêté là. C'est sportif. Ouais, c'est. À la base, Mathias Roland n'est pas directeur sportif. Il est directeur sportif, Mathias Roland, à la base. Je pense, oui. Son titre. Son titre, c'est directeur sportif. J'ai envoyé un message pour être sûr. Non, mais tu regardes sur internet, je suis sûr que ça marche. Enfin, t'as l'info. Oui, enfin, sur plusieurs cas, si mon mi-président encore, ça fait 3 ans que j'y suis. Il gère la communication. T'as joué un truc. Mathias, il gère la communication surtout. Enfin, bah oui, parce que c'est sur la partie administrative. Oui, mais parce qu'il est sur l'administratif, directeur sportif. Il est directeur sportif. Pourquoi il gère l'administratif? Ah, ça veut dire qu'il intervient et sur les contrats des joueurs et tout ça, ouais, je pense peut-être. C'est pas lui qui gère le recrutement? Non, 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 le recrutement. Normalement, moi, enfin, par exemple, dans son optique. Le directeur sportif gère le recrutement. Par exemple, on va parler de quelqu'un pour les espoirs, Giacomini. Qui gère? Tu t'en rappelles? C'était un mec. Avec Jacques Mignon, il était dans le vrai? Non, mais c'était un poste qui était c'était un mec qui était défini pour travailler avec les espoirs. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, qui est préposé à ce poste-là? Alors que derrière, on avait des Foucras. C'est vrai. Adrien qui est parti, qui était parti. Adrien, mais moi je te parle du papa. Papa, oui, qui était bien sûr. En tant qu'entraîneur. Ben, il y a eu Madame Lapère. On a eu la doublette. On a eu la doublette. On a eu la doublette. Diaz. C'était de Laurent Barre, ces mecs comme ça, c'était de Laurent Barre. Foucras, même humainement parlant, que ce soit le père ou le fils. Putain, non, Adrien, c'était quand même. C'était dingue. C'était on avait un jeune avec des filles. Mais d'ailleurs, il gravitait autour des gens adorables. Celui qui est parti au Riyad, qui jouait en espoir, qui était jeune, qui était bon. Il y en a un, Paul Bonnefond. Bonnefond qui était très bon. Qui est parti à Lyon, qui est parti à 7. Qui est capitaine de l'équipe de France à 7. À 7, exact. Il y en avait un autre qui était. Et on était champion de France avec lui. On faisait partie de cette génération. Avec Ressac, il y avait les frères Boskus. Boskus qui est parti à Rodez. À Rodez, bien sûr. Et qui gaze, il est là tous les dimanches. La paire, c'était Santoni. On avait une équipe, on pouvait démonter. Puis on était une bande de copains. C'est ça le secret. Il y en a même un qui est parti à Albi. Qui joue troisième ligne. Ah oui, mais ça pourrait le dire très fort. Bah, d'accord, mais c'est ça. Oui, oui, c'est des mecs qui sont liés. Mais c'est ça. Et tu laisses partir des mecs comme ça. Mais non, on n'arrive pas à les garder. Et tu laisses partir des mecs comme ça. Parce que les intégrations. Il est parti à Colomiers juste après l'espoir, il est parti à Colomiers. Je vous dis tout ça, mais il y a des résultats au niveau des espoirs depuis des années. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens. Et qui c'est qui entraîne? Ah, il y a des anciens joueurs du CIO. C'est José. Trabos. Bourdet. En espoir, c'est pas José. C'est Bourdet. Avec Jean-Marc. Et il y a Bourdet. Il y a Séguier avec les Trabos. Mais il y a le travail de Christian Calmette. Fredo Calmette avec Il faut qu'ils arrivent à maturité pour jouer. Comment savoir s'ils sont en maturité? Est-ce que vous les quatre clubs qui a fait Benjamin Lapeyre? Les babillots de la porte, qui a fait Benjamin sont arrivés aujourd'hui. Babillot de la porte, mais non, mais il y en a deux. Jeunes. Il y en a deux. Benjamin Lapeyre, il a fait toute sa carrière, que ce soit entre Toulon. Oui, après, il y en a deux, t'en as trois avec Rallier. Mais tu laisses partir des mecs, tu dis comme Paul Bonnefond. Est-ce qu'ils ont la passion? Ressa qui n'était pas parti à Montauban. Ressa qui est parti à Montauban. Oui, très juste. Après, il y avait le petit frère qui est parti à Mazamé. À Mazamé, exact. Et qui ont fait pas des carrières de ouf, mais. Qui ont fait leur taf et qui étaient là pour jouer pour quand le maillot d'une formation et pas pour la thune. C'est les mecs. Est-ce qu'ils ont la patience? Ça a toujours été ça. Est-ce qu'ils ont la patience d'attendre? Et je vais même te dire quelque chose. Est-ce qu'on te donne la chance d'attendre? Ah bah non. Est-ce que tu te donne la chance d'attendre? Aujourd'hui, le monde professionnel. Vous parlez de Ricciardo après. Regardez ce qu'il a fait à Angers. Il a fait monter les jeunes. Donc c'est un bon entraîneur de Pro D2. Ça a été. Non, c'est pour ça que je veux dire. Ça a été une des meilleurs. Ça c'est dit. C'est un des meilleurs clubs formateurs à Gênes. Ouais. Et je crois qu'à Castres, ça commence. Le jeune 10, l'espoir, il a fait une feuille de match à Castres. Ouais. Donc je pense que ça va dans le bon sens.
Oui, non, mais après, j'ai jamais dit ça. Les jeunes sont bien encadrés, ils montent, et petit à petit, mais t'en arrives pas, tu vas faire jouer 5 types comme ça. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme ça, les jeunes, là, tu peux pas les intégrer comme ça. Même dans la situation actuelle, à moins que t'aies un mec. Les jeunes, pourquoi tu peux pas les intégrer? Parce qu'il y a une cassure énorme entre les espoirs et la une. Il y a une cassure énorme. Alors, mais t'arrives pas à former les gens. Avant, t'avais les parents, par exemple, les parents des gamins. On va prendre les RSA qui étaient bénévoles pour le club. Ouais. Les Lapères. Tu ne vois plus ça aujourd'hui au niveau des espoirs. Mais non, c'est ça. C'était des familles complètes qui restaient autour. Du terrain. Ils venaient t'aider quand ils allaient à Toulouse, que vous n'aviez pas le droit aux vestiaires comme les autres. C'est parce ça. Que je l'ai vécu une c'est fois ça. Avec Benji qui, lui, s'occupait de mon petit en fait. Parce qu'à l'époque, les joueurs espoirs, il faut le savoir, ils étaient amenés à entraîner les catégories inférieures. Ouais, d'accord. Donc, Benjamin Père, les dimanches matin, c'était sympa. Surtout au tournoi du Cidobre. Mais ça reste le fameux tournoi. Pour moi, tournoi du. Mais tout ça. On le revoit là maintenant avec des pros. Ouais, ouais. Mais ça a manqué. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident aussi derrière. C'est bien désintégré. Mais le problème, c'est qu'après, en espoir, leurs meilleurs joueurs, ils y sont plus. Et donc, c'est compliqué. Alors, donc, dans ces cas-là, puisque leurs meilleurs joueurs, ils y sont. Tu prends par exemple l'exemple de Fernandez. Qu'est-ce qu'on attend pour une fois pouvoir le mettre avec les pros? Fernandez, moi, je le vois avec les espoirs. Tu connais l'histoire, je ne vais pas mieux te la prendre. Mais quand tu es un mec. Sort du lot en espoir, c'est qu'il a peut-être une chance. Et c'est de ça, faire sauf qu'il y en a très peu. Il y en a deux sur dix. De Benedictis, le mec, il arrive de Grenoble. Il re-signe direct. On lui laisse deux matchs. Il a signé. Que ce soit en amical ou officiel. Les 20 minutes qu'il te fait, tu te dis, mais ça fait 2 ans qu'il joue en produit. Ouais. Mais non, mais complètement. Mais c'est là où il faut travailler. Deux matchs et 2 ans de plus, quand même. Bon, parce qu'on est aussi sur une politique. De faire signer les jeunes, d'accompagner les jeunes et de faire en sorte que puissent développer le centre bon de formation. C'est un bon joueur, mais il s'est blessé à l'épaule là depuis le troisième match, je crois, et apparemment c'est compliqué. J'espère qu'il va. Est-ce que quelqu'un peut ramener un pot de fleurs pour Kevin, s'il vous plaît? S'il vous plaît, là. Il y a moyen d'aller faire un tour au Wawa. Allez. Bon, on va revenir sur la question fil rouge, j'ai passé la vidéo. Allez. De Thomas Combezou. Alors, attendez, juste Kevin, tu peux t'absenter quelques secondes. Attendez, regardez. Il va traverser, on va l'applaudir, il va aux toilettes. On passe à la vidéo de Thomas Combezou. Premier étage. Et on revient sur le fil rouge. Petit champion du monde junior dans les 6 premières minutes, ça pouvait pas mieux démarrer. Ouais, je suis à 15, donc je m'en fous un peu, je vais vous dire. Ouais. Bon, là, ça fout les boules. Mais ça me fait pas rigoler, moi. Non. Ce que vous faites là. Non, non. Non, mais... je vous le dis, ça me fait pas rire. Non, mais c'est pas. Ça me fait pas rire, parce qu'on a du caractère à Castres et ça me fait pas rigoler. Non, voilà. Alors, pour moi, ce que je voulais dire par là, c'est que. Non, ça arrive, il a pas voulu. Attention, Kevin, vas-y, Kevin. Tu veux pas. C'est sympa ce pot de fleurs. C'est pas possible. C'est, vrai. Donc, c'est donc, un très joli pot de fleurs. Donc, en fait, je pense que la question est un peu maladroite. On est dans une situation où ça devient très très compliqué. Non, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Parce qu'il y a de l'alcool. Qui c'est qui boit là? C'était pas du coca. Je rappelle quand même, et puisqu'il veut nous balancer, que celui qui est derrière la caméra a mis son polo Bordeaux avec lequel on a perdu déjà 3 fois. Ouais, mais bon, il dit pas des mots de plus de 5 lettres quand même aussi. Hein. Il a arrêté de les dire. Et d'habitude, il calme dans les mains.
fait pour les nier. Le Bordeaux, il fait pas que le porter. Ouais, non, ça va. Mais bon, on revient sur la question fil rouge. Ça fait ressortir ses joues. Rouge, rouge Bordeaux. Donc, et donc, quand on parle de Cambezou, quand on voit cette réaction par rapport à cette question du journaliste, on sent qu'il est un peu déstabilisé au départ. Et puis de suite, il se révolte. Et puis il lui dit, mais de toute façon, moi, ça me fait pas rire. C'était la semaine dernière, tu sais, face à Toulouse. Il s'est quand même sacrément foutu de sa gueule. On est d'accord, voilà. On est d'accord. Mais la réponse est encore plus belle. Parce que t'as pas la tête du mec derrière, parce qu'il arrive avec son petit Ouais, mais il est resté calme, posé. Moi, je trouve. Il l'a envoyé plus tard, mais il a pas de réponse. Pas tous en même temps. Non, mais ce qu'il vient de dire, tu résumes la situation. L'autre, il se fout de sa gueule. Et lui, très carré, il lui dit, mais tu sais, Akas, on a du caractère. Et l'autre, il s'est bouffé les couilles. Et quand il dit, on, en plus, c'est-à-dire qu'il parle de toi. La fin de la phrase, l'autre, il s'est barré. Et là, ça me fait pas rire. Mais bien sûr. Et là, ça me fait pas rire. Il a été très bon. Mais ça, après, ce qu'il a dit, je pense que c'est largement vrai. À Castres, on a du caractère. Voilà, mais donc toujours été quelque chose. Est-ce que ça aurait pas dû être un élément sur lequel ils auraient dû travailler dans justement. Mais ils l'ont peut-être travaillé. Parce qu'on est là, mais on est là, et peut-être que cette réaction-là qui a eu devant le journaliste. Ils l'ont peut-être travaillé, ça. On peut pas faire l'électrochoc. S'ils ont le sophrologue, c'est pas. Tiens, on était en train d'en parler. Est-ce que tu relèves là? Ça vient pas dans le fil rouge, mais juste. J'étais d'accord avec toi, parce qu'à un moment, je me suis dit que dans toutes les équipes professionnelles aujourd'hui, on fait intervenir des gens, des professionnels, qui travaillent sur le comportement, sur l'attitude, sur la digestion mentale. Il y a des psychologues quand même qui les suivent. Aujourd'hui, oui, les sophrologues, bien sûr. Sophrologue, il commence par les doigts de pied, finir au truc. Moi, j'ai fini au nombril. Il était déjà 4 heures. Il y a trop de taf, les gars. Aujourd'hui, quand même, Cambezou est un mineur. Bien sûr que c'est un mineur. Oui, mais est-ce que tu le mets assez en avant? Non. Est-ce que dans l'équipe, il est assez mis en avant? Mais est-ce qu'il aime ça? Il en a pas envie. Il en a pas envie. Il en a peut-être pas envie. Thomas Cambezou, un meneur par rapport à ce qu'il a dit. Je suis pas sûr quand même. Hein. C'est pas parce qu'il réagit comme non, ça. Non, 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 non. Alors ça veut dire que moi je suis sûr. Ça fait de lui un meneur. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tu vas pas laisser te chier quelqu'un sur la tête. On est d'accord. On est bien d'accord. Bien sûr. Mais je pense. Là c'était Cambezou, ça aurait pu être un autre joueur. Je pense. Tu mets 15 joueurs. Je pense pas qu'il aurait. Écoute-moi, baissé le pantalon et t'as dit pas tous en même temps. Je pense pas qu'il aurait réagi pareil. Il y a 15 joueurs. N'importe quel joueur. Il y a 15 joueurs. Il y a 15 joueurs qui passent devant ce journaliste. Capo lui met une patate. Caminati aussi. Capo, je pense qu'il le tue. Caminati, il lui dit tiens, je vais te montrer un soin. Vous très bien que les journalistes. On rigole mais quand on dit ça, moi je te dis, Rodrigo, il a les yeux qui commencent à clignoter, il est pas bien. Il y en a, ils ont fait les Capo, quand tu prends l'accent allemand, ça pue. C'est un manque de respect. C'est quand même déjà un joueur qui se présente après le non-match que tu fais à Toulouse. Ou le match loupé. Déjà, il est gentil. Comme tu veux. Ah, ouais. Comme ouais. Tu veux. Match raté. Comme ça tu marche, veux. Enfin, mais tu fais venir un mec raté. Devant les journalistes, enfin, le celui qui ouais, vient, ouais. Crois-moi qu'il les a accrochés. Et puis, ouais. Il a une sacrée perte de balles. On est d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Oui, il est obligé. Et t'arrives et tu dis obligé de sa gueule. Et t'arrives parce que sinon, elle touche les chaussettes. Et puis, il lui a régalé. Et il lui a chié dessus. Ah ouais, il est arrivé. Tiens, je t'ai fait un. Mais ce qui était encore plus beau, c'est qu'il a juste repris, qu'il lui a remis sur le front. C'est ça. Bouge pas, je te la pose. Voilà, tiens, bouge pas, celle-là, elle est belle. Il se casse. L'autre, il arrive, il continue. Là, son interview. Et vous pensez pas à tes bisous. Allez, bonne journée. C'est ça les réactions. Et moi je trouve que cette réaction là, elle est magnifique. Oui, alors peut-être que Mauricio il peut pas travailler son match sur ça. Mais juste il leur dit. Non, mais on est d'accord. S'il fallait travailler les matchs sur les interviews, franchement on serait pas mal. On serait pas mal. On serait pas mal. Ouais, parce qu'il y a toujours du mieux. Il y a toujours du mieux. Il s'exprime super bien. Sur les interviews, mais faudrait qu'il vienne aussi. Mais on va venir, on va venir. J'espère que la buvette est aussi gratuite que la nôtre. Parce que. Oh là 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 On a arrêté que à 3 grammes. On héberge qu'à 3 grammes. Il est parti bon, alors à Philippe Notario. Ça faut pas le dire très fort. On s'arrête. Allez, chute, on revient. On est sur le fil rouge. On revient sur le fil rouge, oui. Un fil, c'est après, pas mal. Samedi. Après. Non, du coup, il faut, moi je pense que voilà. Peut-être que Mauricio, à un moment, il doit faire une petite séquence de 2 minutes et dire. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Ouais, c'est ça. Oui, mais est-ce qu'il a le recul suffisant? S'ils ont besoin de ça, ils vont de la Red Bull, ils auront des couilles de taureau. Non, c'était dit moi, ce que j'en pense. Personnellement, c'est très bien que non. Oui, mais est-ce qu'il a ce recul-là? Et est-ce qu'il a cette analyse et cette philosophie
à dire ben mais moi je suis pas joueur de rugby. Le jour où j'entends comme Bezou, j'avais mis des chaussettes. Mais les cas étaient prêts. Mais les il y a trois télés encore. On faisait. Est-ce que ce que a dit Thomas Kombezou ne dessert pas le club aujourd'hui? Mais pas du tout. Mais vous rigolez. Vous rigolez. C'est couillon. On a attendez. On se calme. On a un joueur qui réagit par rapport à un pseudo journaliste. On est bien d'accord. Non, un journaliste. Mais est-ce que sa réaction après une défaite face à Toulouse, c'est ça aide pas à l'image du club. Bah, que dalle. Même Seigneur Moscato, il a dit qu'il avait bien fait. Mais oui, voilà. C'est fini. Alors voilà. Si Moscato a dit ça. Moscato l'a dit, c'est fini. La science l'a dit. Donc, Moscato qui sera en spectacle à Castres. C'est le seul homme qui écoute Moscato de 7h du matin. Mais non, mais 15 bonhommes, les 15 doivent dire la même chose. On est d'accord. Tu vas pas tendre ton cul et prendre la fessée. Ah oui, je pense que Reggiardo est arrivé en disant justement. Garder ce comportement-là. Est-ce qu'il a relevé ce comportement-là? Arrêtez. Il a dit tendez le cul, faites-vous fesser. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que justement, après cette action-là, qu'il est arrivé et qu'il a dit c'est cette mentalité-là qu'il faut? Est-ce que tu vois Reggiardo arriver et dire bon, écoutez les mecs, on se fait rentrer dedans? C'est pas grave, on va gagner un jour. C'est ça. Non, je pense qu'il est impossible. Écoutez le Marc. Bon, écoutez, il y avait voté. Écoutez bien, il y avait You. Moi, à l'époque, elle est blessée. You, tu You pas. Oui, mais il portait, je sais pas, il portait ses couilles et tout le monde. Ah, mais lui, il portait même pour les autres. Derrière, Castagnier lui disait il m'a plaqué, il m'a fait mal. Attends, bouge pas. Comme tu vois que la dernière fois, c'est quand même Mauricio qui s'excuse. Oui. Alors, c'est quand même l'attitude. C'est normal. C'est quand même c'est normal. Il est obligé, il est présent. Mauricio, il prend tout pour lui. Il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. Après, c'est pas pour autant qu'il veut le faire. Il porte ses couilles aussi. Non, il porte sa fierté. Il rappelle sa fierté. Il protège ses joueurs. Le problème, il fait pas de discours après ce match-là. On va lui dire quoi? Bon, il a pas parlé. Oh, bah, il va dire que c'est. Enfin, le moi, perso, il fait pas de discours après les matchs, ça me dérange pas tant qu'on les gagne. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, faut savoir. Ah, mais c'est vrai. Alors, attendez, j'espère qu'on n'est pas plus entraîné pour les apprendre. Soit t'es là pour discuter face aux caméras, soit t'es un entraîneur là, qui est là. Tu m'inquiètes parce que je vois de plus en plus de caméramans au CO2. J'espère qu'on n'est pas que entraîné pour les interviews d'après-match. Non, mais le problème, c'est que sa réaction. Par contre, on est bon. Moi, je pense. Là-dessus, on est bon. On pourrait prendre les points de bonus sur les interviews. Parce que ça montre. Attendez, ça montre un joueur qui finalement sort de ses gonds. Il est agacé. Ah non, parce après une défaite. Justement, je trouve qu'il a la tête froide. Pas de ses gonds. Il le remet en place. Il a remonté ses couilles. Il est revenu. Non, mais il aurait pu le remettre à sa place. On est à Castres, plus gentiment. Ah, il l'a fait propre. Et là, il est poli du début à la fin. Normalement, le rugby, aujourd'hui, le rugby, c'est trois. Et tu sens qu'à tout moment, l'autre, il répond, il vrille. Presque l'autre, il est excusé à la fin. Aujourd'hui, ceux qui le sauvent peut-être, c'est que le journaliste n'a pas eu de répondant. Si, il a essayé après, Mais quand ça arrive, aujourd'hui, il devait avoir entre 60 et 65 ans. On est d'accord, rien qu'à la voir. Attends, ce qui se passe derrière. Quand t'as des mecs rabataires derrière qui sont là, ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas vu un ballon de rugby dans leurs mains. Au bout d'un moment, ils sont là, ils rêvent le rugby, ils vivent le rugby par procuration. Donc c'est normal qu'ils aient des jugements aussi faciles. Depuis qu'il est les 3C ont changé. C'est honteux ce qu'il a fait. Le journaliste doit être sanctionné. Tu sais qui? Tu connais les règles des 3C. Aujourd'hui, ça fait café, club, caca. Couille. Non, bah maintenant c'est couille et Kombezou. Celle-là, je la connais. Parce que moi, Kombezou. Mais plus on avance et plus ça part en couille, cette émission. Non, mais sérieusement. Non, mais Kombezou. Moi, je trouve. Bouge pas, tu vas voir. Attends. Je trouve que Kombezou, sur ce qu'il fait là, il garde la tête froide, il répond super bien, il le remet en boîte. Il a réagi comme une bête blessée, peut-être. Non, pourquoi une bête blessée? Pourquoi une bête blessée? Il réagit par rapport à la tête. Je le trouve qu'il a été très respectueux. Il a été très respectueux, il n'avait pas le choix. Mais pour être vraiment un peu plus dans le conflit, un petit coup de tronche, ça aurait été nickel. Un petit coup de tête. Alimenter le buzz. Voilà, mais au moins, Castres, on se fait pas manger sur les pieds. Par ce biais de buzz. Non, parce que j'ai jamais dit l'inverse. Au CO, on a du caractère. On le sait tous. Je sais qu'on va se relever. Je sais qu'on va réussir à se relever. Il faut trouver la manière. Tous les clubs sont dans ce problème-là. Enfin, le Stade français l'a connu. Le Racing l'a connu. Le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, Clermont l'a connu. Le public, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Oh, Kevin Firmin, ouais, Kevin.
Ah ben vous allez pas l'applaudir à chaque fois qu'il regarde quand même. Ah ça fait plaisir. C'est un fidèle auditeur. Oui non mais voilà non mais c'est tout ça pour te dire que justement c'est pas parce que ben voilà on galère mais la solution on va la trouver. On reprit. La solution on va la trouver comme il l'a dit et il l'a résumé je pense sur l'ensemble de la saison enfin ou du début de saison. On a du caractère à Castres. C'était pas juste une réponse pour moi, c'était pas juste une réponse à son attaque. C'était une réponse générale. On a du caractère à Castres. On n'est pas là pour se faire marcher dessus. Ils vont réagir. On sait qu'ils vont réagir. Moi, perso, je vais rentrer à la maison, je vais mettre le gros stembal à ma famille. Moi, ça ira très bien demain. Mais eux, par contre, ils vont se tirer les cheveux. Oui, parce que ce soir, on rentre chez Chavannes, on se met une grosse timbale, et demain, tout ira bien pour Radio Olympique TV. Hein. Voilà. Et après, on a fait des choses là-bas. D'habitude, on rentre dans Chavannes. Il y a plusieurs. Celle-là, demain, c'est pour le making of. Je rappelle que Radio Olympique TV n'est pas responsable. Ça y est, on l'a perdu. Pour toi, public. Allez, stop. C'est bon. Après, ça fait 1h20 qu'on... Allez, on va parler de Pilon un petit peu. Maintenant, place aux invités. Les joueurs font cogiter quand même. Il y a 3 semaines de coupure. Non, mais là, on parle sérieux pour le rugby, là. Non, mais je vais couper le micro à Thomas pour toi. Allez, place aux invités. Julien. Allez, Philorent 15. Bon, bah du coup, bah, déjà, on va commencer par vous remercier de pouvoir nous accompagner ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Nous d'abord. Merci de nous avoir invités. On vous fera la note pour le whisky, par contre. C'est cadeau pour Radio Olympique, mais jusqu'à une certaine limite, quand même. Hein. On mettra un panneau pour inviter. Voilà. Voilà. Par contre, tu le fournis, le panneau. On te l'accroche. Laurent, c'est des chiens, les Tu mecs. Peux mettre une bâche. Une bâche, on l'accepte aussi. On te l'accrochera. On a le père, le président qui est là. On va commencer par parler, déjà, par rapport à l'entraîneur. Bon, cette année, je parlerai pas du choix. Aujourd'hui, bon. Vous vous retrouvez en troisième série. Comment vit le groupe, le club? Comment vous avez restructuré un petit peu cet été un petit peu mouvementé? Comment vous avez remis un petit peu les choses en route? Et puis, Alors, l'an dernier, déjà, on a passé une saison très difficile, avec un effectif qui était plutôt faible, en qualité et en quantité. Il y avait des joueurs de très bonne volonté, mais qui avaient très peu joué au rugby. Donc, on a joué des matchs, même des fois, avec 17... Ça c'était pas marrant, ça. Ça c'était pas drôle. Ça c'est beaucoup moins drôle. Ouais. Ouais. Parce que... On avait démarré cette saison l'année dernière avec quand même les 3 ou 4 premiers matchs perdus d'un point. Pas de buteur. Problème de buteur. Donc après, ça c'est. Ah. Puis après, c'était. Voilà, ça a été une mauvaise dynamique. Et bon, petit à petit, on a lâché. Et... Donc on a été rétrogradé en 3e et 4e. On a battu bien le mur quand même. Oui, on a battu bien le mur, c'est vrai. Oui, oui. Elle a foule. Dédicace à Fabrice Cornia. Il y a la foule et il y a la foule. Voilà, donc le comité nous avait demandé si on voulait se maintenir en seconde série. On avait réfléchi, on avait peut-être, on ne croit pas, pour garder un niveau un peu plus élevé. Et puis, bon, le problème, c'est toujours ce manque d'effectifs. La réalité d'effectifs, on avait fait des réunions un peu avec Soragout, voir. Parce que, au niveau du règlement, on pouvait faire des doubles licences avec un club. Par des. Troisième, mettons. Mais à condition qu'on soit. Non, des doubles licences. À condition qu'on soit en troisième série. Ah, donc du coup, la seconde série, pour faciliter un petit peu l'effectif, avoir d'autres mecs qui viennent d'ailleurs. Donc, ça n'a rien facilité du tout. Il y a eu quelques discussions avec Soragout, mais bon, après, Soragout a monté une troisième équipe, donc ça n'a pas pu se faire. Et voilà, donc on ne savait pas si on allait repartir. Donc on s'est mis, depuis avec Patrice et les joueurs cadres comme Jérôme et d'autres, à essayer de recruter des... Le pauvre Patrick, il voit passer des verres, il s'est dit putain, mais mon dieu. Rien que le dimanche. Retire les lunettes, ça fait 2 verres en moins. Ok, elle est nulle. On a essayé de restructurer un peu le club avec des joueurs qui un peu de rugby, quoi. Donc il y a quelques jeunes qui sont arrivés. De très bons jeunes. 4 ou 5 jeunes. Très bons jeunes. Très bon au niveau rugby et état d'esprit. Ça c'est aussi. Bien. De très bons joueurs. Tu arrives à avoir des mecs comme ça, tu joues pour eux. Tu joues pour eux et tu as envie de leur montrer ce que tu vaux.
il y a eu une bonne dynamique en début de saison. À part le premier match perdu à Soragout, on était encore que 19 sur la feuille de match. Et puis Soragout. Après Soragout quand même, voilà. Ils ont trois équipes et ils ont quasiment 50 joueurs. C'est pour ça, comme tu me dis que peut-être dans l'hypothèse où vous allez venir, ça sera couvert par Radio Olympique, ce match-là. TV, autant pour moi. Il y a toujours Le whisky est gratos, mais TV. Ah, mais hey. Par contre, elle assume. Les coups de boule, c'est lui. Hein. Non, il y a eu un premier match qui était quand même pas mal, parce qu'on a emmené la mi-temps. Et après, bon, c'est vrai qu'on avait eu un match qui était pas du tout le même. Mais oui, j'ai vu. On a enchaîné par 3 victoires avec 30 points de moyenne. C'est dommage que sur 2 matchs. On est deuxième meilleure attaque du championnat. On ne prenne pas le point de bonus. Pas mal, hein. Ouais, mais en défense, on n'est pas les meilleurs. Ah, bah on est troisième ou quatrième. Pour la défense, on est troisième ou quatrième. Il y a eu 2 points de bonus qui nous ont échappé. Bon, parce qu'on a eu des relâchements sur 2 matchs où on a pris 2 fois 2 essais, notamment encore la semaine dernière. Et donc, on râle un peu là-dessus. Mais bon, voilà, il y a quand même du contenu. Il y a quand même des matchs avec des essais marqués sur différentes formes de jeu. On ne joue pas qu'avec Zavan, on connaît 3/4. On essaie de mettre quand même des choses en place intéressantes. Et pour le moment, bon, arrive, c'est ça qui est agréable. Ça se passe bien. Voilà. Bon, après, on a un club avec une poignée de dirigeants. Ils ne sont pas nombreux, mais bon, ils se donnent vraiment à fond. On sait que c'est compliqué, les bénévoles aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai que le monde associatif et le monde du bénévolat est en train de se perdre. C'est pour ça que le plaisir qu'on a, c'est de gagner des matchs et leur faire plaisir aussi à eux. Dans ce club-là, on est là tous pour céder. On est là pour céder. Moi, je sais que voilà, ma femme, elle est ostéopathe. Mais s'il y a moyen, tous les dimanches à domicile, elle va venir et elle va le faire. Alors qu'elle est en place, elle est en poste pour faire ça. À Sorèze, à côté de... Voilà, une adresse de... Voilà, la poste bleue. Un site internet, un numéro de téléphone peut-être à donner. Ok, si je m'entends pas, c'est que tu seras gratuit. Moi, j'ai le droit. Voilà, pourquoi aussi on a redémarré en 3e série. Parce que bon, peut-être aussi un niveau un peu inférieur. Donc c'est bien de repartir aussi en gagnant des matchs, surtout. Voilà. Ça remet la confiance, un petit peu du baume au cœur aussi. Et quand par hasard, dès qu'on gagne des matchs, il y a des anciens joueurs qui commencent à revenir. Ouais, c'est normal. Et c'est l'effet boule de neige, ça. Ah, complet. Et ça remet du... Ouais. Du baume au cœur, surtout. Ouais. Du baume au cœur, parce que tu te bats après. Moi, je dis ça. C'est vrai que chaque année, on a l'impression que puis Laurent se bat pour survivre. Voilà. Oui, mais regarde, l'an dernier, j'étais... Oh, c'est pas la roquette qui va les empêcher de respirer, hein. Je te le dis, moi. Je suis arrivé en 2012, on survivait déjà. Et maintenant, on survit très bien. Et l'année prochaine, il faut qu'on en parle. Et maintenant, cette année, si tu as envie de te tenir les couilles, tu te les tiendras. Même à ça, j'aime quand on parle rugby. On parle rugby, mais on parle vrai. Mais c'est ça. On a fait 3 saisons à 18-19. Nous, on est une bande de copains. On est resté. Maintenant, on est 25, 26, 27, 28. C'est maintenant qu'il faut y aller. Parce que le joueur qui n'a pas lâché depuis quelques 4 ans, il y a un noyau de joueurs de... 12 à 15 gars qui sont au club depuis longtemps. Qui puis c'est une bande de copains, c'est ça. C'est un élément extérieur. C'est ce qu'il faut. De toute façon, ça fait l'air par les repas, par le fait de faire venir du monde. C'est la cohésion. C'est vraiment un souvenir. On est là comme ça, on se bouffe les couilles pour le copain d'à côté. C'est ça. Sinon, tu vas juste en bas et tu vas ailleurs. Moi, je joue avec des mecs comme ça, je joue tous les dimanches avec des mecs comme ça. Et c'est pour ça que je suis encore là. C'est pour ça que j'ai... maintenant, il y a en plus les résultats. Alors. Oui, c'est pas parce qu'on fait un en avant en finale contre les murs. Écoutez-moi, Jérôme, pour ta défense. Merci, monsieur Sitko. Ville-mur, Fronton. C'était pas bien le mur. Alors, pour te défendre, il y a un mec qui s'appelle Kevin Chavan. C'est lui. J'étais pas là, c'était pas là. C'est Sitko qui a donné l'info. Qui lui développe le côté humain de la chose et qui m'a dit j'ai plein d'anecdotes. Mais c'est bizarre, ton gars. On sort tout le temps. Mais bon, c'est pour ça que t'es capitaine aussi. Je prends. Et c'était Villemur. Et puis qu'est-ce qu'il prend bien? C'était pas Villemur. Qu'est-ce qu'il prend bien? Villemur, on a jamais. Il y a une capacité à accueillir, c'est ouf. Une vraie aire d'autoroute. On en fait plus des comme ça en Espagne. Une vraie aire d'autoroute. Ça se trouve, ça te va, là, ça va pas, la frontière. Depuis tout à l'heure, je te regarde. C'est pas toi qui a gagné l'Eurovision? Si! Ça aurait été bizarre. Mais je dis que de la gueule, il chante. Je dis que de la gueule, il chante. Une chanson.
Merci, vous voulez quoi? Il a un bel organe. Il a un bel organe. Pas celui-là, pas celui-là. Mais c'est pas. Allez, je chante. Allez. Voilà. Celle-là. Ah, mais quoi, c'est mon plus bel organe. Mon plus. Non, chut, le public. Le public, arrêtez. Le public, on n'en peut plus. Bon, revenons à plus Laurent. Voilà. Allez. La chanson. Ce sera le générique de fête. Voilà, ça sera le générique. Au final. Le budget du club. Donc au final. Un budget pour un club. Moi, je peux pas te dire, c'est absolument rien. Non, mais pas tout celui que tu es payé, toi, mais. Pour... Parce que tu es payé, toi. Non. Alors, il faut que je pose la question habituelle. Ah, là, oui. Est-ce qu'à Puy Laurent, vous payez les joueurs? Oui. 5 euros le repas le vendredi, on paye. Ouais. Et 1 euro la bière le dimanche. Oh, j'ai compris pourquoi vous l'avez mis capitaine. Parce que l'autre il allait dire oui, on est payé. Oui, les capitaines. Ah oui, les capitaines. Trois semaines, tu vas aller payer 13,50 euros dans un routier. Nous, on paye 5 euros et tu mangeras jamais. C'est vrai. Alors en fait, quand ta femme elle te cherche, t'es sur les routes. Une petite bavette sur ces chalotes. Une petite bavette sur ces chalotes. Chantal, je te fais un gros bisou. Merci de nous faire manger aussi. Je veux remercier quelqu'un, vas-y. Mais oui, Chantal, qui nous fait manger. On paye 5 euros le vendredi. On paye 5 balles, on mange des bavettes. On mange des tiramisu tout fait maison. Il y a celui du tiramisu à la framboise. C'est grâce à des personnes comme ça qu'on arrive à fédérer un groupe. Non, tiramisu et bavette à 5 euros, vous n'allez pas me la faire. Ben c'est véridique, garçon. C'est véridique. Bon, après, les bavettes à 5 euros aussi, j'en trouve. De Roumanie. C'est des grosses bavettes. Des bavettes, Elles sont tombées les cheveux, j'en ai un autre. Elles sont mauvaises, elles sont pas bio. Allez, stop, pas tout en même temps. Ah, c'est vrai, 5 euros et tu te régales. Ouais. Et le dimanche, tu payes 1 euro la bière et tu manges en fait, ce que tu fais, c'est que tu couvres les frais d'achat. Si t'es avec nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'argent sur nous. Mais il n'y a pas à gagner d'argent, à la limite. Pour les joueurs et pour la cohésion, c'est que les mecs puissent travailler pour vous, vous couvrez les frais d'achat et puis voilà. Il n'y a pas 1 euro qui sort. Tu vas payer peut-être 1 litre d'essence. Tous les mercredis, il y a l'auto. C'est tout. Ah. Il y a un loto tous les mercredis, donc ça aide aussi à c'est financer. Et c'est 80% les licences, bon, les joueurs ne payaient pas les licences, donc ça coûte quand même pas mal de déplacements. 10 bénévoles le mercredi qui sont là pour payer 80% du budget. C'est bien, c'est le club, c'est le loto le mercredi. Ça, faut les remercier. Maintenant, ils sont 10, tous les mercredis, il y a 40 à loto, avec 100 personnes. Eh ouais, c'est ça. Moi, je paye la licence, mais je joue pas, hein. Je vous assure. Ah mais ça s'est vu. On lui a revu on le voit ça. On le voit. Tu seras pas plus heureux que chez nous pour de vrai. On enchaîne. Mais viens plus loin, on te fait une licence, viens plus loin. La communication du club. Tu verras ce que c'est la vraie cohésion. Communication, parlons. Voilà, on va parler communication, objectif, communication. Communication, vous avez une page Facebook. Oui. On a une page Facebook. Comment ça se gère alors du coup, parce que tout ça aussi c'est entre joueurs. C'est vraiment. C'est qui? C'est un bénévole, un joueur. C'est un joueur blessé qui gère ça en ce moment parce qu'il est blessé. Paul Chapat. Paul Chapal, notre statisticien. Voilà. C'est lui qui gère ça en ce moment. On s'est fait, on a cherché les sponsors dans le village. On s'est fait payer des maillots par la CAF puis Laurentaise. Notre petit sanglier, le Marc Cassin. Je vais venir payer d'ailleurs. Non, mais allez-y, je vais venir payer. Profitez de la libre antenne pour faire la pub aux partenaires. Allez-y. Nous, on s'est bougé, on a fait des maillots, des shorts, des chaussettes. Ça n'est tout. Pas des sponsors. Ah, vous jouez pas en pieds nus? On a essayé en Afrique, on a pris des ampoules, ça a été horrible. On est le seul terrain à plus de 3% de. Non, c'est pas vrai. Il y a 2 mètres. À Saragoutte, ils ont un terrain aussi qui penche. Non, mais comme ça. T'es jamais venu à Florent, c'est parce que t'es jamais venu à Florent. Je suis venu l'année dernière. Oui, mais t'étais à l'endemain de fête. Oui, non, mais oui, mais. Et puis on t'avait servi les mêmes muscles. À Soal, il est arrondi. Soal, il est arrondi. Chez nous, il est en pente. Oui, c'est vrai. On commence la première mi-temps en montant et on le descend en deuxième. C'est bon. Nous, on joue mais pas avec le vent. Nous, on joue avec la pente. Vraiment de... enfin, les sponsors nous ont payé les maillots, les shorts. C'est vraiment des patrons d'un joueur, les copains du village, la famille, les machins, c'est que ça. Dans les petits villages, il y a de la cohésion. C'est ça. C'est que ça. Mais oui, mais on cherche ça, on cherche. Et après, tu travailles aussi avec le village. Du coup, le dimanche soir, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller boire au bar, au bar du village. C'est ça. Ah, parce qu'à Puy-Laurent, il y a des bars. Jamais été à la cave et plus le rotez à Puy-Laurent. Toi, ça se voit que tu passes tes soirées dans un garage quand même. Je défends ma famille. Quand t'arrêtes le rugby, on t'embauche, hein. Moi, je défends ma patrie. Non, on a plus assez de place dans le frigo. Le jour où tu vas racheter le match,
Tu repartiras. Mais après, on peut dire. Non, il y a une cave qui a ouvert il y a 2 ans qui nous sponsorise tout. Le tabac aussi à plus loin. Après, il y a des ouais. En fait, il y a que des buveurs et des fumeurs à Pays Laurent, donc du coup. Ah non, il y a une société de sécurité qui nous a payé les shorts. Pas tout ça. Une agence de sécurité nous a payé les shorts. Ah, ça fait bien. Oui, en même temps, il vaut mieux s'ils veulent rester à Pays Laurent. Ils sont à Toulouse. Alors, justement, on parle de shorts. Vous n'avez pas un nouveau équipementier là? R15, justement, R15, joueur de Rouen au rugby. Qui nous a fait les maillots cette année, le talonneur qui se lance dans ça. Et puis pour une fois, ils seront jolis les maillots. Ceux qui faisaient les prototypes de certains maillots, oui. Peut-être. Parce que les photos, partout, tu regardes sur le site de l'Olympique. En fait, ils faisaient beaucoup de prototypes de maillots, mais ils n'avaient pas de Ils ont fait nos maillots et une sélection en Afrique, une sélection nationale en Afrique, c'est tout. Et donc nous, on s'est lancé avec eux, on a lancé le projet et tout. Donc là, ils nous ont fait les maillots, les shorts, les chaussettes, et on va voir ce que c'est. R15, ils font des super prototypes. Ouais. En fait, ils sont passés sur. Là, ils sont super, ils sont vraiment pas chers. Je veux leur dire, parce que même ils essayent, même s'il n'y a pas. Et puis ils sont ils argent, utilisent des fois les logos sans le vouloir, mais ils essayent de montrer des prototypes et des choses des au niveau des maillots. Et puis pour pas cher. Totalement. Vraiment pas cher. On a du maillot qualité pro. Moi, j'avais vu la gamme CO avec militaire. J'ai vu le CO avec. Nous, on a le maillot culot avec la tête de mort, la rose et tout. Non, la tête de mort. Bon, ok, on y viendra pas parce qu'il m'inquiète là, il m'inquiète. Donc R15 Radio Olympique. Appelez-les. De toute façon, il faut profiter à Rouen, partez-y, c'est pas bon. Ah ouais, partez-y. Dans 2 mois, vous avez un cancer. Venez dans le tard. Partez-y, revenez pas. À Rouen, arrêtez, venez à Castres. Hein à Rouen. Ne vous inquiétez pas, on a du désinfectant venir, ici. Pas de venir à Rouen. Non, pas les Rouennais. Bon, on arrête les conneries. Vous avez recruté cette année à plus Rouen. Cette année, on a recruté du lourd, du très lourd. Ouais. Alors, vas-y, parle. Environ 19 ans de moyenne, 100 kilos de... Non, on a recruté, on a 3 jeunes qui sont arrivés, des jeunes qui étaient à Sorogout avec Patrick à l'époque, à Tarn-Sud. Ok, encore Tarn-Sud. Un mec qui prend des mecs. Ok, Tarn-Sud. Donc on a des jeunes... Nous, on voit ce qui se passe ailleurs. Non, on a des jeunes de 20 ans, on a peut-être 7 gamins qui ont 20 ans. Ils sont chauds. Ils sont chauds comme des beignets, ils nous font gagner des matchs. Ils sont chauds comme des beignets. Qu'est-ce qu'ils sont bons les beignets. Après, on a récupéré 2-3 bonhommes dans le coin qui voulaient venir jouer à Pura. 2-3 bonhommes qui traînaient par là qui sont venus, Dylan, compagnie. Très bon joueur, avec Mazamé, un plaqueur de dingue. Ça, tu le mets à Castres. Attention, ça a deux tutorats de Mazamé, c'est non, pas. Revenons sur le tutorat de Mazamé, par exemple. Les noms ouais. Thibaut Fargue et Dylan. Brian. Oui, parce qu'on va faire une émission télé en alternative. On va faire. Brian. Il est arrivé il y a 15 jours. Il nous fait un Brandon et on est bonnards. Alors rappel à tous les Brandon. Si vous jouez au rugby, Brandon, on cherche un Brandon. Là, on plaisante, mais. Pourquoi, c'est dommage, comment vous pouvez expliquer qu'un club comme vous voulez un c'est plus chiant de. Comment expliquez-vous qu'un club comme Puy-Laurent est obligé d'essayer de se battre pour survivre chaque saison. Là, on parle sérieux. Là. Moi, je te dis, je suis arrivé il y a 2 ans, en 2012 à Pura. C'est bien, combien? On était 18. L'année où je suis arrivé, on m'a appelé, je suis venu. On était 18. On a fait une année galère, on est descendu. 12. L'année d'après, on a gazé, on a fini demi-finale Midi-Pyrénées. Bon, tranquille. L'année d'après, on a fait quart de demi-finale Pyrénées, 16e de phrase, et après, tout le monde est parti. Va savoir pourquoi. Tu peux est-ce pas géographie... Il y a Revel, t'as Revel à côté. Voilà, plus est-ce loin, que géographiquement, le problème, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a Sorogout, l'aviron castré aux alentours, Rodon et compagnie. Après, moi, je te dis la vérité. Pour moi, ce que je passe, il y a des types qui vont être dans des clubs qui sont autour, juste pour avoir. Le maillot. Ils n'ont pas un niveau, ils ont un maillot, un sac, un notoriété. Ils sont là, ils sont dans une notoriété un peu humaine, soi-disant. Il y a énormément de mecs à Revel. Ils ne joueront pas de l'année. Voilà. Au lieu d'aller remplir un club de 3ème série, quand on parlait d'un club à côté, maintenant on parle de Revel. Là j'aime bien. Ah non, pas Revel, forcément. T'as Revel, t'as Mazamé, t'as Pilorin, t'as Saint-Cast. Ils sont quand même pas battus pour venir à Dionne-Epic TV non plus. Ça les intéresse quoi. Mais nous, on prend les gars, là, on veut avoir de la notoriété. Nous, on prend les mecs. Et puis des clubs en série. Oui, on a compris, Kevin, que tu prends les mecs. On a compris qu'il y avait des gens. Putain, je l'adore, celui-là. T'as pas les clubs de rugby. Ça va être un régal. À craquer sous la dent. Les clubs de rugby de Camille, de Junior, de Ronde. C'est difficile après de pérenniser un club. Après, il y a eu des soucis il y a 4 ans avec l'école de rugby. On a perdu l'école de rugby. Le club de Pilorant, c'est. J'étais pas là. Depuis le club de Pilorant, c'est moi, je suis à Palotin, je suis. C'est quoi l'ancien des. Depuis les années 70. Moi, je suis le joueur le plus vieux. Depuis 2012. En fait, le renouvellement, il s'est perdu. On a eu des soucis, on a perdu l'école de rugby, donc t'avais 90 gamins à l'école de rugby. C'était une très belle école de rugby. Alors pourquoi vous avez perdu justement l'école de rugby?
Bon, il y a eu des soucis, après, moi j'étais pas dans les bureaux. Il y avait pas l'encadrement. Il y avait l'école de rugby, le club. Il y avait pas l'encadrement. Il y avait des soucis après. Ça, donc t'as perdu 4,5 gamins à Nonain. 4,5 gamins. Moi j'ai entraîné le U14. Donc maintenant ils ont 19 ans, ils sont tous un senior soit à Revel, soit à Puloran, soit à Soragoute. Donc on a perdu 15 gamins qui pourraient jouer accessoirement en équipe 1. Accessoirement. Accessoirement. Voilà. Donc c'est, ouais, c'est compliqué. Quand t'as pas d'école de rugby, tu formes pas tes joueurs qui vont venir renforcer ton. Le but en fait c'est de perdurer et de travailler. Donc nous on fait quoi? Et bien, on est obligé d'aller piocher à gauche, à droite. Alors que là le problème c'est. Cette année on a quand même pour objectif de remonter. Enfin, maintenant c'est peut-être un peu tard, mais remonter une école de rugby. Justement, objectif. Remonter une école de rugby, refaire repartir le vivier. Ce sera plus l'année prochaine l'école de rugby du coup. Bien sûr. Mais nous, avec Kevin, l'an dernier, on a lancé un truc à l'école à Puloran. Voilà. Donc tous les mercredis, tous les jeudis, on faisait venir des gamins, on leur faisait des trucs. Et pendant toute l'après-midi, on faisait du rugby, des ateliers un peu de sport, voilà. Pour les attirer vers nous et que ça. On leur préparait un entraînement. Bon, récupérer en fait, des gamins la prochaine. C'était vraiment. Voilà. Mais la découverte au sport, parce qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, en France, on a énormément de gamins qui ne savent même pas courir, même tomber. T'as énormément de gamins qui ne savent pas le faire. Moi, je sais tomber sans courir. Par exemple, j'en ai ça, faut pas le dire. Non, mais c'est vrai, je peux vous aider. Tu vas toujours tenter de faire le truc pour donc, tirer ton club vers le haut, donc ramener des gamins. Qui organisait les entraînements quand ils venaient, les gamins, c'est pas évident de réussir à composer avec tout ça. Il y a des gamins qui sont là, qui jouent à Soragoute, qui ont même, ben voilà, j'avais des gamins de 12 ans ou 10 ans, ils ont 5 ans de rugby derrière ou 4 ans de rugby derrière, donc du coup, ils savent faire une phase, une passe, machin. Donc tu arrives sur ce genre de public-là et tu es obligé d'intéresser tout le monde. C'est ça. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Et on est là, et on a été là l'an dernier, et je pense qu'on l'a bien fait. Je pense qu'on a réussi à bien le faire. On a réussi à intégrer et à sensibiliser les jeunes de l'école de Puloran à ce sport-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie du village et le club de rugby c'est justement pas associé pour pouvoir faire perdurer l'état d'esprit fait, de ce qui se passe. On pas te dire après le village, on n'est pas dans les hautes... Non, mais je parle pas de l'archi du village. Tu vois ce que je dis Bon, t'as un club de rugby qui essaye de vivre, t'as un club de foot qui essaye de vivre. Et la mairie, elle est entre les deux, elle cherche à faire. Et pourquoi justement, il n'y a pas un supplément qui puisse se faire? Après, il te faut des bénévoles aussi. Voilà, ça, il faut des bénévoles. Le bénévolat, on a 10 bénévoles. Ils sont 10, de gérer. Le bénévolat se perd aussi. Mais il n'y a plus de bénévoles. Mais non, mais on a 10 bénévoles. Pourquoi? Parce que derrière, personne ne compte sur nous. Nous, par exemple, on a les résultats, les gens vont venir. On a les résultats, les gens vont venir. Ah non, mais ça, on est bien d'accord. Nous, on est des bénévoles payés en liquide. Donc, moi je te dis, je suis arrivé en 2012 et depuis 2012, il y avait 10 bénévoles. Et c'est toujours, depuis 2012, c'est toujours les mêmes bénévoles qui sont là. Le président, c'est un président par intérim. Enfin, il a pris on est d'accord parce que personne ne voulait le faire. Il est là pour sauver ton club. Et puis en plus, il est là tous les dimanches et tout. Il le fait bien, Norbert. Et tous les bénévoles, on a 10 bénévoles pour le club. Ça demande aussi de l'engagement, il faut prendre aussi. Puis humainement parlant, enfin voilà, depuis le début de l'émission, je suis très sur l'humain parce que dans le rugby, je pense que c'est ça qu'il faut développer. C'est ça qu'il faut prôner à l'heure actuelle, surtout à notre niveau. Et Norbert, c'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un de terre à terre. C'est un paysan tarné. Mais tu sais, on a vu quatre présidents de club. Et sur les quatre, quand ils nous en parlent, on peut rester des heures à côté d'eux. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Et c'est juste ce côté-là en disant ils parlent de ça comme de leurs enfants. Et puis c'est dingue. C'est fou. C'est-à-dire que le mec, il met même sa vie du côté en disant je suis président, donc il représente. Et qu'il est obligé d'accompagner, mais il le fait parce qu'il a du cœur et qu'il le fait. C'est terrible. Puis on a récupéré un coach l'an dernier quand même. On va vous expliquer ce que c'est un pilote. On a récupéré un coach l'an dernier, il nous a fédéré, il nous a amené peut-être une dizaine de joueurs déjà. Après, tu sais. Sans mentir, il y a 10 jeunes. Non, parce que déjà, sans mentir, il a aussi un vécu. Un travail qu'il ait pu faire, soit à Soragoute sans les nommer. Mais bien sûr. Parce qu'on a travaillé un petit peu nos arriérés. On s'est dit quand même. Mais il y a un équilibre ou pas. Mais c'est quand même un entraîneur. Je vais te dire, moi, ce que j'en pense dans le rugby, c'est un deuxième père. Mais je te le dis, moi, je l'ai eu en cas. Un entraîneur, c'est un deuxième père. C'est celui qui, quand tu vas pas droit, il sait te le dire. Quand tu dois faire des choses, il te le dit aussi. Et que ce côté humain, tu peux le donner à beaucoup de monde d'être entraîneur. Mais t'as pas beaucoup de chance d'avoir. Peut-être pas à ce niveau-là. Moi, j'ai eu un jour, j'avais dit moi, je sais que Patrick, voilà, fédère énormément. Comme je te dis depuis le début de l'émission, de par son humanité, c'est quelqu'un d'adorable. Tu peux pas aller contre lui par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ce qu'il projette.
Après, j'en ai rien à carrer. Hein. Non, tu me mettras en remplaçant le dimanche prochain, il n'y a pas de problème. Allez. Bon, vous savez pourquoi il dit ça? Parce que c'est le meilleur marqueur de l'équipe, il a mis 6 essais. Bravo! Par équipe! Bravo! Hey, paraît-il ça dure, pourvu que ça dure. Paraît-il même, et paraît-il même, et on pourra donner le résultat à la fin de l'année, paraît-il qu'il y a un petit concours entre les deuxièmes. Ouais, non, mais on a arrêté, c'est vrai. Et pourquoi on a arrêté? Et pourquoi on a arrêté? Parce que t'es distancé. Parce que je marque un ami con. Je voulais juste dire que je suis pas tout seul entraîneur, on est deux. C'est ça, ouais. Avec Patrice Kougo, qui est au club depuis beaucoup plus longtemps. 2013. Et qui fait beaucoup... T'as les chiffres? Sur le terrain et beaucoup en dehors du terrain. Non, hein, bah oui, c'est ouais, ça. Non, t'inquiète. J'ai vu ce président. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé l'intersaison aussi. Pour que le il s'est bouffé les couilles cette année. Les couilles. Et puis s'investit. Tu m'as dit, on peut tout dire. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on parle vrai. Le filtre est bon. Non, mais il y a pas de filtre. Il y a de temps en temps, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens, c'est qu'à côté, on fait pas de la dépêche. On fait pas d'une autre manière. Mais regarde, on interagit avec toi exactement. Non, mais ce qu'il dit, je vais même te dire. Que ce soit par rapport au CO, que ce soit par rapport à moi. Kevin m'a connu, j'étais mascotte d'un club. Ouais, oui. J'étais mascotte d'un club, je faisais le guignol et les seuls mecs qui me disaient bonjour, c'était les espoirs au club. Non, mais ce qu'il dit, il a raison. Est-ce que Kutch, cette année, avec Zaza, avec Zaza, notre entraîneur, Patrice Kougo, ça ne s'oublie pas. Il devait arrêter d'entraîner cette année. Ben oui, tu vois, il s'en voilà, ben on en est là. Il devait arrêter d'entraîner cette année, Patrice Kougo. Et comme il n'y a personne, il n'a trouvé personne, et ben il s'est remis une année de plus dans le club. Et sa femme est vice-présidente. Et donc le type, il se bouffe les couilles. Il a appelé tout l'été des joueurs et tout. C'est la vérité, mais c'est la vérité. Et puis l'off-song, en fait, j'ai pas moi, j'ai vu, j'étais dans un groupe de supporters. Qui s'appelle Sans Casque, je peux le nommer, mais... Hein j'y étais. Ouais, mais quand j'ai bouffé les couilles tous les. Mais t'es pas merde. Pendant 15 jours, tu te bouffes les couilles. Là, tu dois... Mais pour rien, pour rien. Tu dois dire au mec de faire les banderoles, tu dois dire au mec de faire les drapeaux, tu dois faire tu dois gérer la vie. On en est là. Les autres, ton boulot, tout ça, tu peux plus. Et bien, on en reviendra à ces types du saut, par exemple, tu vois. Toi, dans ton club amateur, tu vas te vider les couilles pour ces types qui, eux, se les sont vidés toute la semaine et l'année d'avant pour toi. Donc, toi, tu puisses jouer, faire ton plaisir du week-end, le rugby. Qui perdure en se disant. Tu mouilles, je mouille. Enfin, non, attendez. Le maillot, je mouille le maillot. Pardon, excusez-moi. S-Club, Patrick, bisous. Attends, on doit donner trois clubs. Pas tous en même temps. Donc, comme on doit donner. Il a dit le S-Club, on doit dire le Hot Club et on doit dire le Rouge et Noir. Mais chérie, je te jure, je n'y vais pas. Mais je les connais, hein. Mais je les connais bien. Je n'y vais pas. D'ailleurs, bisous, patron. Allez, la patronne, ça n'est pas les soirs. Où la patronne? Le budget depuis Laurent cette année. Ça, quel est le budget, ouais. Parlons peu, parlons bien. Je peux pas te dire. Pas. Moins 100 euros. Non, je sais pas. Pardon. Mais le budget va pas être compliqué. Tes arbitres à payer tous les week-ends. Tes arbitres, les voyages, on les fait en voiture. Vous avez quand même une poule qui vous facilite les voyages. On fait tout en voiture, on prend peut-être 10 euros par voyage et encore. Pas tous en même temps. On prend 10 euros par voiture et j'ai compris par tous en même temps. Chaque fois, j'ai eu peur. Et parce qu'on part tous en même temps. Attends, on part tous en même temps. Et on arrive en même temps. Attention les vélos, on monte à ce truc. Vous avez été obligé de refaire les vestiaires. Je peux pas te budget, je pense non, pas qu'on ait un gros budget, frère. Bon, après, là c'est. On a un auto qui nous fait sourire. C'est plus selon la côté. Stop. On rappelle, vous avez un loto tous les mercredis. Tous les mercredis à 21h. Tu vas gagner du fromage et tu vas à Puylaurens. Au stade de Puylaurens. Alors, au stade de Puylaurens, donc tous les mercredis, un loto organisé. Donc, à quelle heure? À 21h. À 21h. Donc, si vous voulez soutenir le club de Puylaurens. Juste avant, il y a l'entraînement de l'équipe 1. Tu peux aller mater du cul et après jouer au loto. Voilà. Alors là, Radio Olympique n'est pas responsable. On n'est pas responsable. On va juste préciser que c'est du cul quand même en short. Hein. Et on va préciser que Julien est là tous les mercredis. Pas pour le loto. Hein. Et si je me mets de profil, vous voyez plus mon nombril que mon cul. Franchement, il n'y a qu'à Radio Olympique TV qu'on peut entendre ce que c'est le but. Je le dis. C'est le but. En tout cas, je vais vous dire quelque chose ce soir avec Puylaurens. En tout cas, comme on a vu passer avec d'autres clubs qui sont venus. Comme l'Aviron. Mieux comment, mais je le dis. Un peu mieux quand même. Bien, on a quand même des mecs qui connaissent les mots à trois syllabes, on l'a dit tout à l'heure et on l'a dit au début. Ah, hein. Vive la Bruyère. Il lance le derby. Je vais ramasser.
Non, encore, la bruyère aussi, humainement, c'est exceptionnel. C'est ouais, Non, mais en plus, voilà. Et d'ailleurs, même si Ariane a choisi d'aller là-bas, c'est une guéguerre d'amour. Attention, il y a un message spécial de. C'est une guéguerre d'amour. De Guido qui dit: allez, tonton, on t'attend pour la paella et le cartable. Ouais, c'est toi, ça. Oui, c'est mon neveu. C'est mon neveu. Allez, tonton, la paella. D'ailleurs, j'aimerais signaler que les 4 derniers messages. Alors, Chavan, on attend, mais il manque une bouteille de whisky qui vient de sauter. Derrière, je vais te rattraper, Kevin. Voilà. C'est ma chérie. C'est ma chérie, ça. Flo, au-dessus du cerf. Bastien, notre ailier. Non, au-dessus, au-dessus, truc vert. Je vais te rattraper, Kevin. C'est ma chérie, ça. C'est ma chérie. Alors, c'est ma chérie. Flo, la porte. Ostéopathe à Sorez, si vous voulez. Voilà, l'adresse, le téléphone. Il y a le patron de la Jonquera qui dit: Kevin, on te voit plus. Chérie, si tu nous attends, parce qu'elle va se barrer après la mienne. Il y a Olivier qui est aussi. Tu veux qu'on balance en direct? Allez, on balance. On balance. Pas de langue de bois ici. Pas de langue de bois, c'est vrai. Il y a Olivier qui a lancé une petite question de série, quand même. Olivier Guy, le talonneur de la bruyère. Le capitaine de la bruyère. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles règles, justement? Oh là, bon. Bon, on fait avec? Non. Oh, merci Kevin. Rien que dans son. J'ai jamais vu autant de pénalités en 80 minutes. Alors attention, parce que l'autre jour, j'ai vu, pendant le direct live qu'on faisait à Saint-Jury, le président du comité du temple qui va venir bientôt à l'émission. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tu fais attention à ce que vous dites aux règles. Mais t'as un arbitre, ça t'applique, c'est tout. Sauf que moi, je fais 1m98, me baisser sur des neufs qui font 1m40. Pas tous en même temps. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je trouve que sur les matchs, les premiers matchs, les joueurs et les arbitres ont fait beaucoup d'efforts. Bien sûr. Parce que c'est vraiment compliqué. Oui, parce que j'ai vu qu'ils mettaient beaucoup de cartons blancs, pas beaucoup de cartons jaunes pour pouvoir. Le week-end dernier, pas un carton. Même pas énorme, en vrai, même pas énorme. Un carton. Et heureusement qu'on n'a pas les ralentis vidéo comme on le sait ce soir. Après, t'as parlé avec la bruyère, les types qui prennent assez fréquemment des cartons. Ouais, d'ailleurs. Allez, Olivier, c'est longtemps là. Olivier Guy. Olivier Guay. Ah voilà, lui, il a tout fait, hein, pour faire Monsieur Prane, Monsieur Prane, on en reparlera. À propos de carton, Radio Olympique TV, l'année dernière, est venu vous filmer face à Vielmur. Oui. Et il s'est passé un incident. Ils ont pris un carton sur le match, touche, non? Eh bien, justement. Est-ce qu'on peut y revenir? Alors attendez, moi j'y connais rien en rugby, hein. Moi je suis là. Je sais pas, ils ont pris le carton jaune à 10 minutes de la fin sur une touche. Ferme l'ordi. Je vais sortir de mon site sexuel. Ça c'est Sidko qui l'a dit. Je coupe YouPorn. Alors, on savait qu'ils avaient un second de ligne qui était pas trop fut-fut. Ah, ça c'est dit. Au moment où je vais lever, moi j'étais lifter arrière sur le premier bloc. Ok, donc tu peux parler en français. Non, s'il te plaît, il était deuxième. On gagnait d'un point, je crois, mais juste. Il adore d'être. J'ai dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc il y avait le sauteur. Au moment où il va sauter, j'y marche sur le pied. J'y saute dessus. Et là, en sautant, il prend mon sauteur. Il tombe. Carton jaune, pénalité pour nous. On la met. On gagne de 3 points. C'est tout. Bravo. Putain, quel bol de fou. Mais le comité vient d'entendre ça. Donc la tricherie, c'est intolérable. Mais on est descendu quand même. Mais c'est de l'intelligence rugbystique. Non, c'est toi, t'embêtes pas. Il faut aller chercher le vice. Non, t'embêtes pas, c'est toi. C'était ça l'anecdote. Mais on y a bien éclaté pour prendre le masque. Est-ce que quelqu'un peut pas le mettre dehors, s'il vous plaît? En haut, il y a une jeune fille avec un chien qui regarde la télé. Vous pouvez pas le mettre. Donc, Puyeron est relâche ce week-end. Prochain match, exemple, c'est face à qui? On reçoit Montagne, ça Puyron. Venez nombreux, il y aura derby, la bourriche. Derby. Surtout la bourriche. Donc, c'est quand? Dimanche prochain? Dimanche prochain à 15h, avec la bourriche. C'est un derby à couvrir. À la base, moi, c'est pour ça que. L'apéro. Est-ce que vous avez la 4G? Parce que. Oui, tu l'as. Mais la 4G, il est bourré, l'animateur. Ils sont venus l'an dernier contre. D'ailleurs, je vais te signaler quelque chose. Moi, je suis arrivé au mois d'août. Donc, l'année dernière, j'y étais. Ils sont venus l'an dernier contre. C'est pas mal. Je viens d'arriver. Donc, c'est vrai que depuis Laurent Montant, ça peut être intéressant à filmer. Ah! Moi, je parie sur une générale de Chavannes. Non, c'est pour aller. Par contre, on n'est pas. Ah, Valentin Poussine, attention. C'est l'ordre. Voilà, là par contre, voilà. Attention, Valentin Poussine, que nous raconte-t-il? Je suis outré par le fait que Kevin n'a même pas fait l'effort de parler de notre Fidjien Karim. C'est vrai. Ah, ouais. Parce que là, on est à l'heure actuelle, on est en plein rachat d'un joueur.
Ouh, là il y a du. Ah, attends, attends, ça doit payer en pipa. Je vais mettre un jiggle scoop. Ça doit payer en pipa. Tu peux pas venir, hein, je m'arrête. Alors, un brassard, tu peux pas. Alors, pourquoi le Fidjien a pu Laurent? Alors, Fidjien, déjà, c'est le seul Fidjien maghrébin. Karim. Voilà, c'est le seul Fidjien maghrébin. Ah, attendez, stop, on arrête. Il n'y a pas de port de voile, il n'y a rien. Pas d'histoire. Oh, mais lui, il a arrêté de porter du voile. Il boit de l'alcool, il mange du porc. Ah, bon, allez. Il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour ça. Ah, c'est là. C'est non, notre c'est meilleur joueur derrière, ouais, ouais, il s'en va, il devait partir ce il week-end. Il devait partir parce qu'en fait, il est, s'en va il est dans l'événementiel de camping. Paris, Belleville. Donc en fait, voilà. Mais c'est notre meilleur Karim, à l'heure actuelle, est en fait, comment le dire élégamment? Comment le dire élégamment? Il est en pourparler avec voilà, le club. Il est en pourparler pour savoir si la fille de l'entraîneur est libre. Ah. Oh! Allez, je l'ai dit, allez, 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 Karim, allez, Karim, allez, Karim, allez, allez. Bon, fait, il s'en va quand même dans le non, camp. Non, 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 il va dans il s'en va, mais il viendra pour le match, quoi. Hey, quand j'ai eu le concept de cette émission, j'ai dit, ça va être open bar, on va parler rugby. Oui, mais là, mais on te l'a dit ça au début. Ça part en couille au fur et à mesure des semaines. Attention, tu reçois plus Laurent. T'aurais pris des gars sérieux. Ah, non, pardon. T'aurais pris des gars sérieux, le capitaine. Non, t'aurais pris d'autres joueurs. Voilà, t'aurais pris pas nous, mais plein d'autres. Comme Valpoussine. T'as quelqu'un qui passe. Valentin, tiens, Valentin que je connais très bien. Allez, Valentin, c'est qui a pas joué sa nuit, mais c'est l'un. On peut saluer aussi son travail. Quand son nez, et son nez. Et son nez. Son nez perdu au pop-art. Plus poli. Je ne connais pas l'histoire, mais je connais les histoires, moi. De Thibaut, le poli et Thibaut d'abord. Mais. Valentin. Valentin. Et le chibre de Thibaut Fourne. Tu peux arrêter. Bon, on va mettre un terme à cette émission. C'est ma bite qui conduit, c'est ma bite, c'est ma bite. Il est infernal, il est infernal. Il a dit c'est libre, c'est libre. Quoi, on n'est pas là. Bon, mais sinon, on va gagner les matchs et on va aller à Pierre-Antoine faire la finale championne du temps. Allez, 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 ça, je vous le promets. Allez, allez. Je vous le promets. Je vous l'ai dit, Milou. Bon, allez. On a Brel. Ben voilà, non, moi tout ce que je veux vous dire, c'est que Valentin Poussine a fait vraiment un très très gros boulot. Pêche-toi, les gars. Par rapport au maillot, par rapport au maillot, c'est lui, c'est avec Sitko, ça a été les deux. Investigateurs. Les deux acteurs réels. Oui, non, mais je l'ai vécu tout à l'heure. Ouais, je sais qu'elle est. Ça a été les deux grands acteurs de vraiment de ce changement de maillot, de ce changement d'équipementier, et moi je les remercie parce que. Merci beaucoup. Parce qu'ils sont très moches. Les anciens sont très moches. Les anciens maillots sont très moches. Coupe, allez, laissez au coupe. Générique. Allez, merci au club depuis longtemps. Tout sincèrement. Merci Kevin. Bravo, merci. On revient samedi prochain. Merci beaucoup. Croyez-moi, c'était. Merci au West Club. On a fait beaucoup d'émissions. Ouais. Je crois que c'est la plus déjantée. Et non, ça tombe très bien qu'il y ait des vacances pendant au moins 15 jours. Hein. Coupe, pas coupe. C'est ce qui va nous falloir. Si vous avez besoin, on est là. On n'a rien à faire. Merci. Kevin qui m'a contacté, avec qui on a parlé justement pour mettre en place cette émission. On remercie GG, Patrick, Wesley, Thomas, le public. Merci à tous. On se donne. Le Bordeaux. Le Paris.